This all goes to you and your man, to Rolf, who gave the infamous pound is $16. So, you know, they're giving you your little samplers. Little things like beginner's your pack. Daily free. 800% extra value? Holy shit, you'd be losing money if you didn't buy this. Bonus. You know, you don't get that from a normal button in the UI. That's contained inside the store, because they want to train you to go to the store. Right. And as time goes on... That's smart. That's what Lost Ark does. Exactly. That's smart. Yeah, you get them into the habit of going to the store. It's all about training. That's smart. That to... Get these things will take time. Uh-huh. Alternatively, you could spend some money and you will get those things faster. Yeah. Time is money. Friend. Just that what's funny here is that time is money in a game like Lost Ark. Uh-huh. Just means you're kind of buying those various different materials off the market board. So this game does actually have some of that market board stuff. Yeah. What's funny is that it goes and does everything else. I don't want to say that this makes Lost Ark look like a Sony blockbuster premium that costs £70. But in a few ways, it almost does. Yeah, I mean... So what you're saying, Bellior, is that Diablo Immortal is more pay to win than Lost Ark. Oh my god. Like, Lost Ark, I think, took a pretty bad rap from a lot of people for having, like, the pay for convenience, pay to skip stuff. And then also having a bunch of cosmetics on the side and... Bro, just say it, man. Just say it. The shit's pay to win. It's pay to win. But it was easy mode compared to this. Like, that's a game that is... They learned that they had to support their free-to-play players better. Yeah. And they eased up on the time requirements. They eased up on the monetization requirements over time, and that led to better stuff. Yep. Yo. But... That's if what Stoops is saying. Anyone on NetEase has learned these lessons, I don't know if it's... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
popular super here, because this is really aggressively monetized from the get-go, and in ways that you've kind of got multiple tracks of progression, and one of them is just solidly, here's a massive wall of time. You can skip this unlimitedly, freely. You just need to give us about £2 a pop. And that's like, it's really hard that's to cheap. Describe how much that is. But, you know, it's just putting £2 in the machine to play a game. Quite literally. Because yeah, so yeah, it's like an arcade game where you put in quarters to have more lives. Yeah, it's like, what's the difference between this and two squids? That's what they pay for over there. They only eat seafood. It's weird. Loot boxes in this game are ones that you go inside and fight demons in, basically. Yeah, so if you know the rifts from any free daily rewards. I can't remember the similar concept in PoE, but you know, you go in. Kill Pala monsters, boss spawns, collect, sort of, in a couple minutes. The way it works is you get these things called crests, and you add them to the rift when it spawns, and that gives you gives modifiers, but also gives you the chance of dropping a legendary gem, which is this, like, basically one of those... So you buy... Comment est-ce qu'on voit si on a bien débloqué... Normalement, je charge de groupe. Ouais, tu fais U, tu peux regarder dans les Alien Duty si t'as un Ultimate Fan. Alors, t'as juste à aller à Old Charlian voir le NPC. Hein. C'est bon, il a pas. Il est là. Tant pis, c'est normal. Non, c'est que personne ne veut pas. Non. J'ai pas son masque était éteint, un truc.
On n'a même pas le guide complet de du truc. On a déjà la P1. En vrai, techniquement, ce que j'ai envoyé en. Ouais, il y a tout. Hein. C'est tout. Ouais, il y a tout. Donc. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir les mécaniques en réel. Et let's go. On attend les 8 minutes ou on y va? Moi je suis en train de me faire un thé, donc moi le temps que j'ai fini de faire ça, ça m'arrange d'attendre. On pouvait lancer un. Hein. C'est déjà extrêmement chiant à l'époque en extrême, donc je. Ça va être assez bah justement, sympa. Je crois qu'ils ont repris un peu la partie fun. Ouais. T'avais un espèce de safe spot en pixel parfait. Pas sur la phase 1 ou pas sur la phase 1, sur celle d'après. Et ouais, t'avais un espèce de safe spot en pixel parfait affreux. J'en attends beaucoup, ça va être très sympa. Je prends Grino. De toute façon, du coup, si j'ai bien vu, on doit taper Adelfel en premier, les tuer les deux ensemble. Parce qu'ensuite Adelfel se barre et on tape Grino. Ouais. C'est ça, bah faut prioriser Adelfel sur la. Bah, quand il est dispo, parce qu'il est là quoi. Tant qu'il est dispo, parce qu'après on va se taper que Grino pas mal de secondes. Que moi aussi je tape Adelfel. Bah si tu prends Grino, non, tu peux taper Grino, c'est pas très grave. En tous les cas, il faut le taper aussi en fait, donc c'est pas des dégâts perdus. Le main tank, il doit avoir l'aggro des deux. Non, au début tu les splits, et ensuite avant qu'Adelfel se barre, je crois, ou avant que Grino se barre, tout le monde. Ouais, c'est seulement si tu veux. Il faut le reprendre, enfin il faut que le main tank reprenne les deux, juste avant qu'il y en ait qui se barre. Ouais, ça c'est. Ça dépend s'il y a une invulnérabilité qui est claquée ou pas, en gros, c'est. Enfin. La strat, enfin, je sais pas si vous parlez de la strat de la vidéo, mais ouais, la strat dans la vidéo ils font, c'est parce que il y a une invue tank qui est utilisée sur une compétence, je sais pas pourquoi, pas réussi à trouver pourquoi. C'est parce qu'il saute quand il revient. Ah non, mais justement, juste avant qu'il se barre, c'est le deuxième tank qui a pas utilisé son invue qui doit prendre les deux mobs. Mais... C'est ça, le tout premier truc où il faut faire l'invue, c'est l'off tank qui le prend. Comme ça, le main tank, il a encore l'aggro des deux et il aura encore l'aggro de Delphel quand il va sauter. Bah, quand... Parce que ça fait gros dégâts, a priori.
Ouais, je crois qu'il le pense aussi parce que comme il s'éloigne, parce que lorsque il revient, il fait un saut et donc il fait une attaque en AE. Non, je parle pas de, je parle pas de la deuxième invue, je parle de la première. Dans les deux cas, ça fait des dégâts énormes. Enfin, je sais pas si ça peut être sauvé avec des grosses mythiques, mais bon, il y a pas d'autre endroit où t'as besoin d'invul, donc autant les utiliser là. Enfin... Ouais, surtout qu'en fait là c'est la phase 1, il y a checkpoint après, donc techniquement tu peux utiliser tout ce que tu veux dans la phase 1. Ouais, mais. Je préfère comprendre avant de le faire. Bah, ouais. on peut voir Love Tank qui le fait sans invue avec toutes les mythiques possibles, voir si ça le tue ou pas. Bon, comme ça, on constate en direct. Mais c'est juste, s'il n'utilise pas l'invue là, il l'utilisera pas du tout. Ok, je crois que les trucs sont bien mis. Il faudra que quelqu'un d'autre les save parce que moi j'ai plus de place. Alors ici, il y a une simplicité mémotechnique sur les couleurs, c'est de les mettre... Oui, d'ailleurs, en vrai, il faut que je les mette en face, ouais. C'est ça, voilà. Pour une mécanique, ça simplifie visuellement. Et du coup... Tous les symboles, ils ont une couleur correspondante, juste le vert qui est à la place du jaune, pour voir l'emplacement où on serait. Du coup, la strat que j'ai vue, moi, c'était chacun son bonhomme, du coup, Enfin, c'était chacun son... Bah ouais, normalement c'est chacun son bonhomme sur les tanks. Pour éviter d'avoir un tank qui prend tout. Ouais, c'est ça. Ok. C'est juste qu'il y a un moment, en fait, juste avant que... sur la dernière mécanique où il y a encore les deux, normalement, on met une tank qui reprend le deuxième et... Ok. Et ensuite, il se balade avec... En fait, qu'il est l'aggro sur Adelphel avant qu'il disparaisse. C'est ça qui est important. On peut splitter si on veut, mais... Oh oui, c'était juste pour... Sachant que le premier truc où l'invulné est utilisé, c'est pas par rapport à l'aggro, c'est juste par rapport à un lien qu'il faut prendre. Tu parles du taser ? Oui. Ouais, c'est ça. De toute façon, au début, j'imagine, on les prend, on les met au milieu, hein, les deux. Oui. Oui. Bon, après, je sais pas s'il y a rien d'autre pour tester. On peut déjà attribuer des Oui, il est peut-être les positions. Les premières positions où il faut. Pour les baits. Les portails. Ouais. On peut dire que les DPS. Je sais pas justement, est-ce que c'est associé DPS et support pour les. Je crois que c'est les ceux qui sont les plus éloignés en premier. Ouais, c'est ça, il y en a 4 près, 4 éloignés. Et de toute façon, faut faire l'un puis l'autre. Donc on va dire les 4 premiers marqués, ils commencent au sud, et les 4 prochains au nord. Dans les strats, souvent c'est l'inverse, ils commencent au nord. Je crois, non, c'est non. Sud, mais... c'est juste que chacun aille. Mais ouais, le groupe lui par contre il est bien dans l'autre direction. Il se prend là-haut en cône. Je sais pas si c'est s'il faut vraiment être paqué ou si ça pas de problème si on y va pas paqué. Je suppose qu'il faut être paqué. Pour... C'est un random qui le prend. Le cône de l'autre côté. Pour être, de l'autre côté, c'est faut être paqué à 4 au plus proche du boss. Ok. Ça c'est bon. Là sur le truc que je vois, c'est en light party donc. Donc après cette phase là, il y a. Le paladin qui revient, donc il est sur une position où il va venir au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, donc on va à l'opposé. Il y a un antique knockback qu'on peut ou ne pas utiliser, je sais pas si... A priori on peut être sauvé même si on n'utilise pas l'antique knockback. Il n'y a pas besoin, sinon en fait si on reste au milieu, en gros on se fait caber dans la bonne direction normalement je crois. Je crois. Et dans ce cas là on va vers où il réapparaît ou à l'opposé d'où il réapparaît? On va à l'opposé, ouais, il y a les deux qui existent. Voilà, l'opposé. Ça a l'air plus simple à l'opposé. Il y a plus de temps pour se déplacer vers la bonne position. Donc après son premier jump, il indique la direction dans laquelle on va. À ce moment-là, il y a aussi le tank qui a l'aggro qui va devoir invuln et se prendre le jump à part, donc en dehors du groupe. Je sais pas
Il y a de l'espace quelque part, faut gérer. Enfin, techniquement, t'as l'invul. Un invul là avec au milieu, on faisait l'idée. Pendant que nous, on va aller sur un bord en gros. Tu peux avoir l'invul et te mettre directement au milieu, mais tu te prends un damage down. Donc à on voir est sur quelle mécanique là? Si on peut faire autrement ou. Bah, ça peut se tenter avec le match down, ça veut pas l'air d'être trop gênant sur un seul tank. Ouais. On est sur quelle mécanique là? Sur les dashs. Le paladin la qui dash. Des dash. Oli est of Oli dashes. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que ce serait pas mieux qu'on commence déjà à passer les premiers trucs avant? Parce que en fait j'ai juste peur qu'on aille trop loin dans les explications et dans les. Si jamais la phase entière dure 2 minutes hein donc. Oui, bah. On n'est pas loin. Bah là c'est déjà, c'est déjà 1 minute et t'as déjà 4 mécaniques avant. Et j'aurais pu lancer mes sets si on n'était pas rentré. Tu peux quitter vite. Alors, on peut déjà faire toutes les mécaniques avant, avant qu'on ait les deux à tuer, éventuellement. Et comme ça. Enfin, comme vous voulez. Bah de toute façon, hein, on a vu, donc il y a les portails à placer, donc ça, hein, puis les DH, et ensuite faudra faire les interrupts. Les interrupts, c'est sûr qu'il c'est sur le Adelfel, hein. Il peut être carré. Et il faut deux personnes, donc moi et le temps qu'il fait. Il y a les symboles de PlayStation, où il faut qu'ils soient paquets au centre, et je sais pas sûr aussi, il y a une préférence sur les DPS au sud ou des trucs du genre. Je pense que c'est vraiment random pour le coup. Mais du coup, bah, les couleurs, bah, elles correspondent, il y a juste le symbole vert, le triangle qui est pour le jaune. À la limite, bah, si on voit qu'on est, deux vers la même direction, bah, il y en a un qui se dévoue pour changer. Je sais pas trop comment, si on peut mettre une priorité sur qui change en priorité. A priori, il y a le temps de se déplacer. J'ai pas compris la prio. C'est si les deux personnes vont sur le même symbole en fait, ah. sur le même côté. Ouais. Faut que ça soit posé. Donc, je pense qu'on se prépositionne et puis après on va en. Je sais pas. J'ai l'impression dans la vidéo, c'est ce qu'il faisait. Il restait en. Sauf priorité et, justement en fait. C'est, du coup, on va dire à la limite, les mêlés vont essayer de prioriser d'aller au nord, les ranges au sud, et puis après, on a tous pas mal de mouvements à part en 8. Ouais. Honnêtement, moi je serais d'avis de commencer à voir pour le début. Ok. Serait-ce que pour faire les premières, voir un peu les mythiques qu'on est censé mettre aussi. Ouais, et puis je pense que tout le monde voit pas forcément aussi. Ce sera plus simple. Donc Mizu prend Adelfel et Rime, tu prends Grimo, c'est ça? Ouais. Allez, vas-y, on va prendre tout ça. En termes de dégâts, c'est problématique si c'est les deux sur le même? Normalement, les deux sont stackés hein, au début. Ouais, c'est ça, en fait, on va les on les met les deux au milieu donc. On focus lequel les deux? Adelfel en premier. Adelfel prioritairement. Non! Oh non! Je crois qu'on est supposé spiker au cul. Ouais, et c'est ça. Pour les. En premier, c'est ça. On avait quoi? On avait 0 mitchig là? Moi j'arrive pas. Ouais, on avait rien. Okay. Pour voir un peu comment ça fait. Ça passe. Voilà, et là, Mizu est censé choper le truc parce qu'on est tous packés en un seul homme. Ok. C'est ça, en fait, on se met tous au cul. Un seul autre. Le tank qui doit avoir vu prend le taser. Il va en face. Il reste tout seul. Bon. Ça va, la vie est bien descendue. Ouais, apparemment, le DPS check est pas trop énervé. En sachant qu'il y en a un deuxième après. Il y a le soft en rage là, puis ensuite une petite transition. Ok, donc pour les portails, on fait sud puis nord. On va faire sud puis nord. Après. Donc, si j'ai bien compris, on va tous sur Adelfel. Il va y avoir un truc red wide. On claque quoi comme mythic? Il faut rajouter des trucs ou on est bon sur mythic? C'est qui le lance d'ailleurs? C'est Adelfel, sauf qu'il le caste pas. D'accord. Ok. Je l'ai pas vu caster en tout cas. Non, mais sur les mythiques, on sera bon au début, là, y'a pas de soucis. Bah, les mythiques, de toute façon, tu peux le faire avant même le countdown. Enfin, t'as de quoi faire juste avec les GCD normalement. Ouais, c'est ça. On met quoi? On met peut-être une feinte en plus de celle de Foco? Oh, même pas. Non, mais là, il y avait vraiment rien et on l'a survécu. Hein, donc, okay. C'est vraiment pour dire, il pourra pas mourir de ça. Hein. Ok, et ensuite, on doit aller au pied de Grino parce qu'il fait un. Ouais, nous, on se met tous basiquement au cul du boss dans tous les cas. C'est ça.
Et un, genre, pas dans le boss si possible, max range, genre, mais si vous y arrivez. Mais et dans c'est un peu de ça. C'est Adelfel qui a le taser, hein, donc c'est vis-à-vis d'Adelfel qu'on se positionne. Hein. Ok. Sûr que c'est pas Grino qui avait mis le taser. Ah, là, il était lié à Adelfel, le taser. Oh, qui casse c'est lui le qui le fait, oui. Si, oui, c'est lui qui le fait. Et en même temps, il fait un donut, enfin, il y a un donut, donc il faut, voilà, c'est pour ça qu'on les paquets, quoi. Ok. Le donut, il est centré sur le boss. Il y a le donut, et il y a aussi la haut de feu où il faut être paquet. Aussi, voilà. Non, si, c'est un cast. Là-haut. Bon, c'est à l'opposé de Mizu, hein, qu'on se paque. Le taser était pris, parfait. Et par contre, il était plus dans le donut. Ouais, alors. Le boss, il est. Ouais, du coup, il ouais, faut que Grino et Delfel soient vraiment eux-mêmes paquets. Ah, l'un sur l'autre. Ok, ouais, ouais, vraiment ouais, les deux, voilà. Et là, on se met. Ok, du coup, au sud, on l'a dit au sud. On l'a pas dit au nord. On l'a dit sud en premier. Ouais. Et pour les bait, il faut rester sur les symboles aussi. Si jamais. Pour les baits, faut rester pour les symboles. Tu vois, les gens qui ont les 4 marqueurs vont sur les 4 symboles nord ou 4 symboles sud. Tu vois, la flèche que t'as sur la tête, ça indique que tu vas prendre une AOE en ligne. Et au fond de cette AOE, contre le mur, il y a un portail qui apparaît. C'est un peu comme dans le donjon, si tu veux. D'accord. Faut pas l'approcher, sinon tu meurs. Ce truc, si tu l'approches, ou s'il y en a deux trop près, on est mort. Enfin, toi tu meurs si tu l'approches, et on est mort si il y en a deux trop près, parce qu'ils peuvent taser aux autres mécaniques. Je déplace juste un peu parce que faut un peu décalage. Ouais, vas-y. Moi j'ai repris par rapport au. Je sais pas si c'est passé, pour les portails. Ah oui, mais par contre, on n'est pas obligé d'aller sur les marques, il faut qu'on dépose le rayon dans la direction de la marque. Non, il faut aller sur la marque. Non, parce qu'en fait tu. Non. Alors t'es pas obligé, mais en fait le truc c'est que. Si t'es pour proche, être safe, tu peux stacker avec va un le mettre. Autre, c'est proche. Oui, non, safe. Il y a pas de check sur cette phase. Enfin, il est très minime le check DPS. On peut. Je sais pas, tu peux permettre de sécuriser. La vie est un check DPS. Bah, c'est surtout qu'il fait un. C'est surtout qu'il fait un cone, donc si vous êtes un peu trop près. Oui, bon, allez. Ok. C'est juste, en fait, les portails, s'ils sont trop proches l'un d'autre, ils se slink aussi, donc là, quand ils étaient, c'était un peu proche. Il y a peut-être un qui est mal posé, mais là, je les ai mis vraiment proches, les marques. Hein. On va voir, mais je pense qu'elles sont trop proches du bord, les marques. C'est par rapport au centre, donc Non, je regarde. Non, mais vis-à-vis des portails. Ouais, c'est posé qu'on soit trop près des portails, on va se faire dessus. Je les remettrai après, si tu veux. Les marques sur les. AD et 1 et 4, ça, c'est ouais, bien, je, parce que je ouais, pense ouais, que je, les pics là, de ouais, étoiles. Mais justement, les autres, je les, justement, ils les mettaient sur les bords des losanges, là, au milieu. Ouais, d'ailleurs, si jamais les tanks, ils le tankent en plein milieu, sur le losange du milieu, là, je sais pas si vous étiez là. Oui. Ok. Oui, il faut juste les deux soient paquets. Ouais. C'est ça le truc, c'est pas bien passé. Où est-ce que je le body pull? Bon, allez. Non, tu le tonnes, toi. Mais je sais, mais... On se concentre. Question, monsieur. Et on le kill. Allez, max melee range. Le taser. Combien de dégâts? Pourquoi ça fait là super mal. Hein. Faut que tu l'aies vu. Hein. Ah ouais, je regarde. Là, t'as pas tout pris en plus, hein. Comme des gars. Putain, ça va. Le taser, il est encore pire que celui de Phoenix. J'espère que t'es content. C'est comme ça qu'il change la difficulté. Eh ben, tu vois, grâce à mon Black Mage, tu t'es entraîné depuis plusieurs mois là-dessus. Tu savais pas, mais t'étais déjà prêt. C'est incroyable. Oh bah tiens. Est-ce qu'on peut faire un pool au body pool juste pour voir. Attention, il y a des signes qui disparaissent, réapparaissent. Ouais, c'est moi, j'ai juste enlevé cela.
Juste pour voir où est les limites. Okay. Ouais, la limite est lourde. Ah, pardon. J'ai essayé, mais... Il y a le taser, hein. Taser. Merde. Putain, il casse rien, c'est chiant, je le vois pas. Rien en plus. Pourquoi ils ont... Pourquoi y'a encore un putain de filtre orange là partout? Oui, y'a rien. Est-ce que le fait que tu joues sur en 1400 par 1200 sur un écran minuscule? Non, je suis à 1900 par 1080. Est-ce que tu es en mode vision nocturne sur ton Windows? Ah bah oui, c'est normal. Ah. Regarde, le carbuncle il est même pas bleu avec leur filtre. C'est vrai. Alors, mais tu peux plus voir les couleurs hein, si c'est en ça. Ouais, j'ai aucun problème. Juste là, ils ont un filtre dégueulasse. Puis bon, le boss, c'est. Pour la science. Un 180. Ok. Donc en fait, ouais, ça commence à pull vraiment sur le tout dernier losange. Taser. Oula. Alors. Au sud. On paquet, sinon paquet les autres. Ouais, parce qu'il y a un cleave, faut que les 4 personnes qui n'ont pas le signe se mettent de l'autre côté. Ok, et juste après, elles ont aussi les rayons qu'elles doivent prépositionner aussi. Les 4 autres auront le rayon. Hein. Normalement, si tout le monde est vivant, ça alterne. Si jamais, d'après le schéma, ils font support extérieur et DPS intérieur, je sais pas si ça vaut le coup de se le dire. Ou est-ce qu'on c'est fait quoi, ça derrière c'est C et B par exemple pour les rayons. Et imaginons, il y a les 4 signes, les DPS iront sur C et B, et les supports sur D et A. Mais bon, je pense... Ouais, peut-être... En fait, je vais voir, c'est par exemple, typiquement, si on... Genre Thierry, je sais pas si t'arrives, si on arrive directement à se mettre sur C et B quand ça va arriver, les rayons, pour voir si on arrive à les bait 100% du temps, typiquement. Si on arrive à les bait en range à chaque fois. Ah, en range ok, dès le départ, d'accord. Ouais, ouais, mais justement, je veux bien voir si c'est bait à chaque fois sur les range ou pas, parce que j'ai pas. Un peu le plus si vous avez dit dans la vidéo. A priori, c'est range, c'est random, mais. Ça a l'air d'être random, hein, je vois rien. C'est rien qui dirait que c'est la distance. Et tu peux avoir 4 melee ou 4 range d'un coup, enfin c'est. Ah ouais, c'est, okay. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça si on. Je veux voir si ça marche en fonction de la distance actuelle du boss ou pas. Et ça nous. Tu n'y pas en fait, si on a besoin de se replacer, on se replace. Alors, si jamais j'ai réussi à body pull quand je suis arrivé juste entre les deux. Max range à Delphel. Essayez de reste le tank rapidement. César. Ah, t'es revenu pile dans là, ouais. Il devrait s'envoler. Ok. Ah, c'est bizarre, tu l'as pas eu. Okay. Ouais, non, effectivement. Ouais, c'est random. Ah. C'est normal, vous étiez que 3. Ouais. Rau, rau, rau. Ok. Comment ça se fait qu'il y a le tank qui meurt en premier, enfin sur 7 AOE? N'importe quel AOE font super mal, je sais pas. C'est... Ouais, mais pourquoi seulement le tank meurt du coup, enfin, parce que... Est-ce que je me fais casser la bouche par l'autre? Ouais, c'est, je pense que c'est une question. Ah. Toi, en même temps. En fait, je me dis, il y a déjà les mythiques de départ, enfin, pour... Est-ce que y'a ça pas beaucoup de mythiques casse au départ, autant?
T'as pas rien à placer en 5 secondes avant le pool? Ou un truc en supplément? Il y a moyen, mais il y a celle de scolaire en fait. Le truc c'est que celle de scolaire suffisent au début. Et il y a le temps de remonter normalement. D'accord. Sachant qu'on va avoir bien toutes les mythiques après. Pas de scolaire mais de sage, pardon. Enfin... Là, tu m'as compris. Bon après. Ah. Après n'hésitez pas en tant qu'à surclaquer. Quand vous êtes pas sûr. Non, non. Ok. Trois fois de drone. Bon, les deux. Vibré. Tu dois pouvoir traverser le boss en vrai. Avec bah ça. Non, mais j'étais devant, j'étais là, je bougeais ouais. Comme ça. Et après, on était peut-être trop proche. Oh, ouais, on recule, on est pas bon là. Ah, ouais, c'est le en max range à Delphel, hein. Max range, ouais. Max range. Et pour tout, bah, pour tout le monde, du coup, je pense, ouais, même pour toi, Arim. Que t'as pris au moins la limite, tu peux te faire. Les premiers c'était bon, mais là. Posez-vous sur le cercle rouge au sol. Faut être dans le radius max. Le losange, je veux dire. Y'a pas de ça. Non, le cercle rouge d'Adelfel. Ah. Justement, en dehors de ce symbole, comme ça, y a la marche de l'intérieur de son cercle où on n'est pas dedans. Quoi. Il manque quelqu'un en face ce tir. Ouais. Ouais, c'est moi. J'ai cru avoir le. Je croyais avoir le. Ça va chez moi. Ah oh. T'as reclaqué au même endroit, mise en plus. Oui, je sais. Éventuellement, est-ce qu'on peut prépositionner chacun sur des positions en duo C'est compliqué, hein, ça a l'air d'être full random. Hein. Ouais, c'est full random. Non, mais justement, qu'on ait chacun prépositionné vers D, vers C, vers B, vers A. Si on n'est pas en duo, alors on reste à la position. Si on est en duo, il y a quelqu'un qui bouge et on le constate directement. Après, ouais, si on a deux au sud, deux au nord. Je sais pas, il y aura toujours des trucs un peu bizarres. Oh, ouais, c'est pareil, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution malheureusement. C'est un peu après, le... on a pas mal de temps oui, pour c'est se déplacer. Juste pour gagner du temps, pour savoir qui va bouger en priorité, ce genre de choses. C'est pour ça qu'en fait, si en range, on arrive à être un peu décalé pour savoir où on est déjà pré-placé ou des trucs comme ça, ça donne des indications aux autres. Mais genre en mêlée, ça va être compliqué de bien voir hein, de... pas d'espace. Hein. Deux heures. Ah, t'étais trop près de ton portail. Vas-y, tiens, bouge. Voilà, c'est pour ça que je veux dire qu'on te prépose. Ah, sur les gens qui. Le deuxième groupe, ils peuvent se prépositionner. Le premier, non, mais le deuxième, ils peuvent. Hein. Bah oui, et non, on doit être paquet dans tous les cas. Si, Oui, non, mais tu peux être paquet plus ou moins avoir une forme. Justement, va y avoir d'autres mécaniques comme ça où on se prépose même si on est vraiment à portée l'un de l'autre pour voir où est-ce qu'on va, juste en reculant quoi. Non mais après le okay, truc c'est que c'est pas grave si vous êtes pas forcément sur les marques. L'important c'est que vous soyez pas sur les mêmes lignes.
vers l'extérieur. Oui. Donc, on va pas être trop près du boss non plus, hein, sinon. C'est important d'être sur les marques. Le truc, c'est qu'on a le temps de se prépositionner pendant le truc de l'AOE, qu'on n'ait pas à se préparer pendant que la mécanique est en place et à savoir qui va partir. Pour le deuxième groupe, je veux bien, ok. Ouais. Et c'est pour ça, même pour la première, on peut se prépositionner un petit peu pour voir. Bon, la première, elle est en priorité, puis changer s'il y a besoin. Oh non, la première, c'est vraiment full random. Je vois pas de bonne solution pour se préparer en première. Taser. Ok. Très beau, pas trop loin. Ah, eh, trop loin. Ah. Après, on est d'accord, hein, faut bien tous aller en mêlée derrière lui. Non, là faut se faire KB vers crêpe. Vers crêpe. Ah, oui, après il y a le Z. Voilà. Sur la mécanique des rayons, il fait 4 rayons, un stack. Et quand c'est l'inverse, 4 rayons, un stack aussi. Hein. Oui, c'est ça, il refait deux fois la même chose. Ok. Donc une fois qu'on a soqué nos rayons, on revient tous juste derrière lui, on se stack tous. Ok. Et si jamais sur le... Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement les ranges qu'ils ont tous prépositionnés sur le premier. S'ils ont le symbole, ils restent sur place, sinon ils bougent. Et ça peut aider. Ah oui, mais c'est ce que je voulais proposer du coup. C'est le seul truc qui peut aider sur le premier, quoi. C'est qu'on soit un peu vers notre position. Genre en range tiré, moi on peut se mettre vraiment où on veut à la limite. En même temps. Prépositionnez-vous pour le max range. Si jamais vous pouvez avoir les pieds sur la bande verte, hein, au bord de la bande verte, hein, vous êtes safe. Normal que tu... Putain, c'est insane les dégâts. Reste paquet. Ouais. Tant que les bombardements sont pas passés, faut pas se tirer rien. Ok. Prépositionnez-vous. Ouais, on est croix, genre là. Alors, on regarde où va Adelphel et on va à son opposé. Sauf pas qu'à son opposé. On regarde où il pop, donc là c'est à l'opposé vers le nord. On se fait bum vers le nord. Ouais, bon, alors on l'a pas survécu. Ah, oui, ça fait des dégâts en plus, hein, genre. Il fait des dégâts, putain. Donc, non, mais là je crois que c'est un portail qui a pété là. C'est un portail qui a pété. Oui et non. Faut pas. Oui, non, il faut aller à l'opposé que si vous claquez un knockback, parce qu'il y a un knockback. Oui, non, si tu claques pas, enfin, si tu vas à l'opposé, si tu claques un knockback, et tu peux juste te mettre à l'opposé, mais toujours en mêlée du boss si t'en claques pas. Aussi, il y a un truc, ce que vous mettez l'anti-knockback ou pas, c'est bien tant que vous êtes sur une direction donnée et que vous n'allez pas knockback sur un portail. Faut vraiment installer l'écart des portails aussi. Oui, mais c'est pour ça en fait. Normalement, tous les cardinaux sont safe. Donc c'est la grande ligne au milieu où ça perpendiculaire. Deux heures. Non, attends. C'est bon, je l'ai le timing. Non. Ah, t'étais trop loin. On se rapproche, on regarde où pop Adelphel. Et au nord. Je mets juste à côté.
game. Waouh. Alors quoi? Ça pousse fort. Non, mais c'est la mitigation qui me manque. Enfin... Oh, c'est possible. Alors, t'as des logs là, Bobo? Évidemment. Hop. Là, il y avait rien de mon côté, c'est fort possible. Peut-être qu'on peut feinter Grino. Parce que j'utilisais déjà ma feinte sur la première course à AOE, peut-être que je peux le garder pour là. Moi sur la première AOE, je... Dark et... Ouais, je confirme, on est tous morts du Holiest of Holy. On a tous pris 62, 64, tout ça, il faut une mitig. Ouais, je peux faire la première feinte et tu fais la feinte sur là-dessus, Bogo. Ok. Mais par contre, ça marche. Sachant qu'on peut pas la faire, on peut pas faire une feinte en fait. Non, là-dessus. Ça marche. Pas. Faire, Moi je vais garder. En vrai, surtout, vous mettez la feinte sur quoi? Sur le premier AOE, puis ensuite, est-ce qu'il y en a une sur le. Mais en fait. Pendant qu'il y a le premier stack là qu'on est derrière. Adelphel n'est pas encore là. Ça, on peut pas feinter parce que c'est le type qui est en dehors de la. C'est l'autre. Mais la toute première Red White, bah, après c'est pas forcément nécessaire, mais on peut feinter ça, et après le truc avant le knockback, on peut feinter ça. Ce qu'on peut faire, parce que là en fait feinter ça va être compliqué, par contre on peut l'adle, puisqu'il est, il est ciblable. Adelphel quand il pop, Adelphel, juste avant qu'il dash. Il est ciblable lorsqu'il est à l'extérieur. Ouais, je crois qu'il est ciblable, j'avais l'impression. Ok, je peux essayer. En vrai ça va pas saisir, hein. Vous faites pas chier sur ce truc là. Bah faut juste réagencer les niveaux. Si on peut mettre un adle, tu vois, genre il coûte pas grand chose. Non, on a encore les créneaux de feinte. Sur ces fights là, il faut qu'on indique les créneaux de feinte et de reprisal parce que c'est nécessaire. Sur cette mécanique précise là, on est mort, non? C'est juste on. Faut réagencer les CD1. On les sert plus tard. En fait, si on voit qu'on a besoin genre de Adel après, effectivement, on pourra le prendre là. Ça reste une bonne question. Ah là là, Foucault. Tu te prépose, hein? Ouais, je te. Qu'est-ce que c'est? Tu en arrives à quand même faire l'ornos. Ouais, donc oui, il est ciblable, voilà. Oups! Il a touché les portails là. Ah oui, non, c'était. Fallait partir du même côté. Mais non, faut partir du même côté. Si on va vers lui, qu'il faut partir. Mais ouais, j'ai posé un Adler en tout cas, c'est faisable. Pourquoi on est mort sur le deuxième... les deuxièmes lasers? Manque de heal, je pense, simplement. Je pense, ouais. Il y avait des gens qui étaient pas full life. Normalement, avec la strat qui est faite là, il faut que... au moment où ton boss... il faut que tu arrives à avoir le timing, au moment où ton boss se tépé au milieu, il faut que tu taunt le mien. Attends, quoi? Le quoi? Parce que justement, c'est là, là c'est... Pendant le dash, tu vas un vul en fait. Ouais, c'est ça. Et en gros, juste normalement, Grino, il va se taper plus ou moins au milieu. Et t'as une seconde, un peu moins, juste avant, pour taunt Adelphel. C'est ça, la menace. Où tu remets le Adel, quoi. Pendant qu'il juste avant qu'il dash. Ah ouais, tu peux à ce moment-là taunt avant. Ouais. Ok. Il apparaît au bout et on, à ce moment-là il fait rien encore pour indiquer le dash. Je sais pas pourquoi c'est nécessaire parce que il fait ses dashs, on évite ses dégâts là. Enfin, oui, mais après il saute sur un tank qui c'est une autre. Ouais, et t'as l'invul. Bah oui, mais moi je justement. Peux pas. Il l'a plus. Déjà claqué. Est-ce que t'es obligé de la claquer? On a pas déjà séparé les accros? Non, c'est ça. C'est que est-ce que tu es obligé de la claquer sur le taser? Parce que j'ai pas vu la mention de ça moi en fait. Bah, il faudrait que je regarde comment. Bah, il y a une strat qui est différente alors, mais là actuellement, avec la façon qu'on fait, je peux pas faire autrement que de l'invul. En fait, c'est pour ça que je disais que Love Tank il prend le tether. Enfin, justement, je sais pas pourquoi on a alterné comme ça. Après, dans ce cas-là, le plus simple c'est d'inverser les agros au début, non? Y a pas besoin de changer les agros, c'est juste prendre le tether qui est.
celui qui prend le tether, c'est pas celui qui va prendre qui a la grosse dalle. Ouais, mais du coup en fait le bah oui, mais le truc ça veut dire qu'on en a le Delphel qui pointe vers nous, tu vois, c'est bah, c'est faisable. Hein. Parce que Mizu il peut pas être du côté où il va le tether, c'est un con. Ouais. Bon, il fait un ensemble. Mais en fait, je questionne le fait qu'il y ait besoin d'une invulnérabilité sur le premier tether. Ouais, moi aussi, mais il faudrait que je regarde une strat différente. Sur la strat texte, bah, il dit... Vas-y, go le faire sans invul. Non, mais j'ai essayé, il m'a fait 212 000. Ah bon, bah... Il y a un truc qui doit être fait, mais je sais pas quoi. S'il faut pas s'écarter, en fait, aussi, avec... Il y a des mécaniques qui demandent l'invul. Enfin, je sais pas pourquoi c'est un problème. Mais pas celle-là. Non, il y a une façon de le faire sans invul, je crois, techniquement. Mais le problème, c'est que ça implique de laisser le boss se barrer. Pierre. Attention, tu vas te faire... Non, c'est bon, pas donné. Ouais. Ah, oh, il manquait quelqu'un. Enfin, en tout cas, l'aggro d'Adelfel, pour celui qui doit mettre l'invulte pour le deuxième truc, je pense pas qu'il doit le reprendre dès qu'il réapparaît. S'il a déjà l'aggro avant, c'est tant mieux. Oui, mais du coup, en fait, il faut changer les aggro. En fait, si Mizu il utilise son invulte au début, là, genre... Bah, il lui faut, okay, faut l'invulte pour... Bon. Oui. En gros, il faut juste que le tank qui a Adelfel à la fin des dashs soit celui qui a encore son avion. Enfin, si vous voulez faire comme ça, il y a juste un taux de taffaire. Enfin, je vois pas pourquoi c'est un problème. C'est pas ça le problème. J'ai pas de problème avec le fait de faire avec le taunt. Je m'en fous. Je dis juste que c'est bizarre de le faire dans la mesure où la strat que j'ai pu regarder, il n'y avait pas ce genre de choses. C'est ça que je questionne. Ouais, je m'en fous si on passe avec un taunt ou pas. Ça, c'est toujours moi. C'est l'invue que je questionne, mais effectivement, c'est juste que, Mizu Anid, là, s'il a essayé de le faire sans, il a pris 200k. Après, c'est écrit dans le guide qu'il faut de la heavy mitigation. T'avais combien de mitigation active J'avais ma plus grosse. Mais t'en as pas claqué plus. Heavy, c'est au moins 3. Ouais. Attention. Non, c'est fini. Oh, je regardais là, putain. Mais ouais, c'est de claquer peut-être plusieurs mitigations dans ce cas-là. Plusieurs grosses. Ouais, et pas plusieurs grosses. Le truc, c'est que même si on peut le faire sans invul, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il n'y a pas besoin de swap ensuite pour les sauts. Bon après sur les sauts c'est pareil, normalement t'es pas obligé de swap, hein. c'est vraiment si tu veux faire la strat ultra. Ah ouais, t'as donné vulnérabilité aussi, donc il y a forcément le changement d'accord à faire, enfin... Non, la vulnérabilité c'est parce que le mec il va dans les orbes. En vrai, c'est une strat tank, donc les tanks choisissez ce qui vous paraît le plus adapté pour vous. C'est vrai que ça a pas l'air. Voilà, j'en avais. Ouais, j'en avais 3. Donc, il m'a... J'ai réduit de 50%, mais ça fait toujours 123 000. Donc, c'est le problème d'avoir un spell où tu sais pas ce qu'il fait. Et t'as combien de PV? 80 000 à peu près. 89 000. Ouais, donc on a quoi? Veil et Divine Benigène va rien faire, quoi. Non, mais il doit y avoir un truc, mais c'est juste que vu que là,
on n'a pas le détail de ce que fait le spell, il n'y a pas moyen de le comprendre, donc probablement ça sera l'invu. Est-ce que si tu vas loin, moi ça fait dommage. Ouais, mais après je suis hors du donut, donc c'est ça que je comprends pas en fait. Ok, alright. Ouais, je peux te rajouter un 10%, je peux te rajouter une bulle. Oh, mais enfin, il y a les locks qui ont été postés ou pas que je regarde. Ouais. Que je regarde combien là. Alors, mais ça t'a. Ouais, il y avait encore 55k dégâts mythiques. Ouais. J'avoue que. Ouais, pas comment on va faire. On va faire comme on peut. Enfin, on va le passer comme on peut le passer, et puis s'il y a quelque chose de plus joli, on verra plus tard. En vrai, je. Parce que j'étais à moins 55% de damage, donc. Ça, là, je peux t'en rajouter 10%, mais. Ça a l'air compliqué. Non, mais il doit y avoir un truc. Peut-être qu'il y a vraiment une armure, mais ça me paraît bien. Il y a une vulnérabilité magique qui arrive aussi, après, je sais pas ce qu'il la donne, mais. Il y en a une. Techniquement, il y a peut-être un moyen, ou. Si y a un truc genre de proximité ou quoi, genre si tu sprints. Ouais, mais après il y a le donut, donc, et puis il me stun, donc tu peux pas... Oui, non, en gros, t'as deux parties du dégât, d'abord il y a celle qui inflige le stun, et ensuite il y a le... Mais c'est vrai qu'il y a le donut en fait, qui est un problème. Des heures. Ah, putain... On pourrait pas faire des mécaniques qui sont plus chiantes encore. C'est affreux, ah, si, en partout. Ça va. Ça arrive. Ouais, c'est ça, t'inquiète, hein. C'est... On est 40 secondes de fight. On n'est pas encore sur les mécaniques chiantes, c'est ça le truc. Ouais, le tether, pour moi, c'est vraiment la mécanique de merde. Hein. Tu peux passer au travers. Ouais, tant que le jeu, il décide pas, non, tiens, c'est bon. Mais t'as été entraîné, Mizu, t'as entraînement maintenant. Ouais, mais bon. Sur l'autre, j'avais encore le temps, là. Bah, tu peux te prépositionner pour le prendre, non? Une fois que le boss est passé. Les auto-attaques ou pas? Vous avez pas son dos, quoi. J'ai pas besoin de positionnel à ce stade-là. Enfin, après, je sais pas pour Bogo, mais... Ouais, Bogo, il en a un. On a en total deux. Est-ce que j'en ai... Non. Ouais, en vrai, non, j'en ai pas vraiment non plus. J'en ai deux sur... Tu t'as pas de buff, hein. Y'a rien qui dit quand tu l'as. On va prendre très cher, attention. Ouais, non, c'est trop. Ouais, c'est ma faute. On peut... Genre, s'il y a un mort, lui, c'est marrant. Ah ouais, c'est des dégâts... J'aurais pu mettre un ultime CD, mais j'aurais plus rien derrière. Non, genre, s'il y a 8, en fait, on finit à 5000 ou 10000 HP. Alors, tu peux te dire qu'à 7, on finit à bien 0. Bien en dessous, même. Il est mort comment, Bogo? C'est moi qui fait nimp, je suis écarté. Il est trop proche de... Ouais. J'étais hors de la zone. Taser. On est à l'opposé du taser. Non, c'est pas le taser. C'est le donut. J'étais en dehors du donut. J'étais en train de regarder si... J'étais concentré si j'avais besoin ou pas des positionnels et... Et j'ai perdu mon focus placement. T'en as qu'un. T'as que Alien Edge dans l'opener. Non, j'en ai deux. J'ai aussi le trick attack. Ah ouais, c'est vrai. Mais les deux sont dans le rire. Oui, mais les deux sont pas loin l'un de l'autre. C'est ça. Clap, t'en as un autre, je crois. Ouais, bah, pff, oui. Voilà, il est au sud. Oh. Ouais, il envoie tellement loin. Ok, on va à droite. Ah, c'est...
Hop, et ah bah oui, bah il nous coupe en deux. Hein. Ah, et donc après, une fois qu'on est bump, on est censé à droite sur la pointe de la flèche. En fait, ça dépend de la direction dans laquelle il dash. Il dash à droite, on va à droite, pointe flèche. Il dash à gauche, on va à gauche, pointe flèche. D'accord. C'est ça, on va sur le deuxième marqueur. Hein. Deuxième marqueur, ok. Genre si on est là, on va sur A ou sur D. On va ici. Là, sur 1, 4. Ouais. C'est ça. Pile dans poil... la même direction où il va. Pile poil sur c'est la... ça, dans la direction où il dash. Pile poil sur la pointe ou sur le marqueur ça passe. Ça dit la pointe sur les indications. Ok. C'est assez serré vu que ça va de ça. Ouais. Mais tu verras les AO. Les AO sont indiqués quand... c'est quand elles explosent, donc il n'y a pas vraiment le temps, mais au moins tu verras si s'il y a des spots safe. Connor. Ok. Oh, j'étais trop lent. Vu et ouais. Et donc, faut anti-KB. Non, t'es pas obligé. On n'a pas besoin. Ouais. Là, j'étais bump, j'étais non, sur. Non, là, ce qui nous a tué, c'est le boss qui est. Il faut le dépa. Le paladin, il faut qu'il soit pas paqué parce que sinon il knockback et il y a pas. Même avec l'anti-knockback, ça knockback. Donc, c'est pour ça qu'il doit être pris à part. Quoi? Quoi? Quand il revient, il soit à part. Que... Après le dash, ouais, le. Après le dash. Adalfel, ça s'appelle boom, exécution. Tombe sur le mec qui a le plus de menaces. Et là, normalement, j'avais Shirk, Rim, je crois. Bon, on était tous paquets, donc j'ai pas pu voir si ça s'est bien passé ou pas. Mais normalement, et quand... à ce moment-là, l'off-tank va au centre et invu. Je suis parti off-tank et j'ai essayé d'invu. J'ai pas l'impression que ce soit ça qui vous ait tué. Moi, je me suis fait bump. Il m'est tombé dessus aussi. Non, bon, peut-être que j'ai vu qu'il y a un knockback. Après, si c'est pas ça, je vois pas trop ce que c'est. Je suis parti même avant la fin qui est tous les ploups là. Donc, ça me. Pas convaincu. Ouais, ce qui a tué, c'est même directement les dégâts de l'exécution. C'est même pas le bump, c'est juste les dégâts. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 morts de l'exécution. D'ailleurs, c'est qu'on t'a pas heal, Thierry, que tu es mort. Attends, je regarde. Ouais, j'ai essayé de mettre une mythique, je crois qu'elle s'est pas déclenchée. J'étais moitié de vie, je crois, après. Ouais, il avait 37k HP après. Attends, c'est quoi exactement hyperdimensional slash? Tu l'as pris deux fois. Et le corps, le là-haut corps. Là-haut corps, les deux, c'est la même. Ah, c'est les mêmes, ok. Son overkill le tue à 59 000 total. 55 pardon. Donc c'est vraiment lui manquer d'HP. Ok. Oh. Ton carbon kill il peut pas te heal? Bah comme je disais, j'ai voulu mettre une mythique mais elle s'est pas déclenchée et je peux pas tout le temps la lancer. Parce que bon ma tétra je l'avais mis sur AM avant. T'as pas des sorts de heal aussi? Oh non, tu fais pas d'efforts. Ouais mais c'est de la merde. Ah j'ai bien peur que 12 000 n'aura pas suffi. Enfin que ça n'aura pas suffi pour faire 12 000. Oula. Mais les plus grosses mythiques. Ça a failli passer. En fait ça passe mais faut qu'on claque des mythiques perso en plus.
Ouais, moi je mets une mythique perso, hein, et je suis fragile. Ah, ouais, bien marché en dehors. Je pense que c'est pas le bon moment en vrai pour la claquer la mythique perso. Bah, ça dépend en plus. En vrai, tu vois, genre sur le pool devant là, non, mais... sur les morts, parce qu'en vrai aussi, les deux heals étaient du même côté. Ah, ouais, c'est du coup, ça. Bah, le temps qu'on se place, en fait, les heals ne heal pas. Je pense que t'es mieux à les claquer sur la face des rayons avec les stacks. Genre, si t'es après la phase des rayons, t'es midlife, hein, tu crèves forcément sur le stack. Pour le premier spread, ce qu'on peut faire aussi, c'est chacun un peu, on s'éparpille dans, comme on veut. Celui qui est le plus à gauche, il va le plus à gauche. C'est le prochain à gauche, il va sur le prochain, etc. On se rencontre pas, on va juste. Celui qui est le plus proche, il va le plus proche. J'ai rien compris. Ouais, non, mais. Il y a quand même assez peu de temps. La voix du peuple. Mais par contre. Le truc, c'est que une fois que tu t'es pré-positionné avec ton rayon, est-ce que les healies seraient pas mieux à se ravancer vers le centre pour pouvoir justement toucher T'es bah, ça dépend où sont les healies, en fait, je te rappelle, c'est random. Ouh. Oh shit. Là, j'ai pas mis de mythique, ça fait mal. Bah, il a dû en manquer. Foucault ouais, ouais, ça, la mienne n'est pas passée en vrai. Bon, ça. Oui, on peut wiper, genre. On peut pas avoir des gens morts. La mienne n'est pas passée, c'est probablement pour ça. Mais. Ah ouais, avec 3 quarts de vie, ça. Ah, non, mais là, il est plus dur. Que. Ouais, je peux claquer une autre mythique, mais qu'on n'aura pas sur. Non, je mets la mienne sur celle-là. J'ai appuyé dessus, elle est pas partie. Après, je sais pas s'il est temps que vous mettez une. Une mythique Red Wide non, pas là, je peux pas, moi. Moi, je pense que. Y a pas besoin... Non, mais y'a pas besoin, t'inquiète, genre. Moi, j'en mets une sur le premier. Oh merde! Bon bah, désolé. Nice. C'est parti. C'est un. Ninjutsu raté. Ah ouais, non. Palam, palam. Je devrais être revenu à temps. C'est cool. Il est au sud. Nord. Okay. Oh merde. À gauche. Ah oh, oui d'accord, il auto. Ah bon ah. Oui non, c'est bien ça qui knockback. Ouais. On s'est fait G-mod. Ah oui, c'est knockback, mais ça fait aussi genre 150k dégâts en fait. Mais par contre, genre le bump, il m'envoie toute la map. Donc on est obligé d'anti-knockback ce truc, non? Non, oh, en fait ce truc, c'est que tu le prends pas le bump. En fait. Pas tout le prends, t'es mort, c'est pas une question de knockback. Et donc, y'a pas besoin d'être knockback, parce qu'effectivement, si de toute façon tu le prends, t'as aussi pris 150 000 à. En fait, c'est comme dans P4, acte 3, le kick qu'il fait, c'est sur toi-même, ça knockback pas, ceux qui sont proches, ça knockback. C'est la même chose. Ouais, c'est ça, le knockback vient en fait de la personne. Et pas du. Hein, pas du boss, même si c'est aussi centré sur boss. Enfin, c'est de la merde. C'est peut-être quand même. Ouais, non, mais. Ouais, c'est ça, c'est codé bizarrement. Imagine que c'est qu'une animation de ta mort, tiens. C'est une ragdoll. D'accord. Dans tous les cas, le groupe ils sont paqués sur les coins de l'étoile et ben le temps qu'il est ailleurs. César. Ok. J'ai pris un peu en avance au cas où. Ok, c'est moi. Ah, j'ai tellement envie d'avancer sur ce truc là, chaque fois.
une. Merde. Ok. Remettre au centre. Hop, on pourra pas récupérer ça, mais globalement ouais, c'était mieux qu'avant. C'est ça, Aulia Stalowing, c'est lui l'intérieur d'après. Ok, voilà. Ça, on va se faire bump aussi avant, et voilà. Ouais, voilà, là okay, il faut rester. Ah oui, ah, oui c'est par rapport à Grino. Il faut précieux, rester autour de Grino. Mais faut quand même qu'on se remette au centre et on se, voilà, on se met opposé avec notre paire de symboles pour se faire bump vers les bonnes couleurs. Que Grino soit au centre, on de manière bah c'est de manière équidistant au boss, hein, on se met tous autour et bim badaboum. Ok. Non, si on et est le... pareil, max mêlée, on se fait juste bump sur notre signé, c'est parfait. Ouais. Et pour ceux que ça aide, le code couleur il est bon, c'est juste le jaune qui est pour le vert. Le reste. Non, normalement, je crois qu'on a toujours le même signe, non? Non. Non, c'est random aussi. C'est random, je crois que c'est pas random. Enfin, c'est moitié random pour les tanks et les healers, c'est moitié random, ils ont choix entre deux signes. Ah DPS, oui. C'est, ok. DPS, on peut tout avoir. Hein. Petite remarque, Mizuko, est-ce que tu veux que je main tank? J'ai un tout petit peu plus de vie. Pour. Comme tu veux. C'est négligeable le plus de vie. Enfin. Propose. Si... C'est pas possible avant, c'est un peu plus jouable, donc c'est comme tu veux. Bon, de toute façon, sur cette phase, après à la limite, si vous voulez changer de boss, ça se fait. Et elle a aussi un passif qui fait qu'elle gagne plus de MGP au Gold Saucer aussi. Quoi? Oui, c'est important. Ouais. Pas quoi? C'est parce qu'on a le buff de la CG, enfin de la CG, de la FC. Hein. Mais c'est pour moi en fait, c'est moi qui passe mes journées au Gold Saucer. C'est lui Gris. Tu veux M tank alors Thierry? C'est la condition en fait, c'est le nombre de MGP. Les gens se faire zapper par le pouvoir. C'est comme si je faisais une crise cardiaque, genre. Si ça peut aider, vous pouvez claquer la feinte, le sprint. Je crois pas qu'il y en aura besoin plus tard. Moi, je pense pas que ce soit une question de timing, hein. C'est plutôt les gens qui marchent un peu trop près du trou noir. Priori, non, moi je suis mort de là-haut si jamais. Pour là-haut, celle qui passe au centre, l'étoile à ce stade-là, je crois que c'est la limite où c'est safe. Ouais, ce serait logique en vrai que ce soit, ça prenne vraiment la moitié de la salle. Du coup, ça serait sûrement l'équivalent ici. Au-delà, ça serait safe. De toute façon, c'est simple. Les pointes sont safe, donc pour en DPS, c'est débile. En DPS heal, on va en face, sur la pointe. Ouais, vous pouvez anti-knockback si ça peut aider, c'est comme vous voulez. Thank you.
Alors. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment la pointe de l'étoile quand même. On remet au nord après, enfin au milieu. Sur faut cut, ça y est. C'est bon. Ah non, c'est bon. C'est bon. Ouais. Wow. Quand ils reviennent à deux, on focus lequel? On focus à Delphel, mais après en fait faut aussi les remettre ensemble. Enfin faut les remettre à niveau. Donc si toi t'as pas envie de switch, pas obligé. Focus à Delphel. Pour un faux bogo, tu t'es fait zapper. Ouais, je sais. Mais en vrai, faites une ligne droite sur la flèche. Hein, mais j'ai fait une ligne droite, hein. Mais. Ah, t'étais peut-être trop en arrière. En gros, c'est ça. Si tu te fais pas même parfaitement au milieu et que t'es un peu trop sur le côté, si tu fais une ligne droite, bah t'es déjà à côté. Alors, start sur ce truc là. Tu vois là où je saute, tu startes d'ici et tu vas mais sur la flèche. Je me demande si le. Enfin, après, c'est peut-être où je ferai plus attention. Mais je me demande si le portail était pas un peu trop centré. Et pas assez sur le côté. Bah ouais. Non, on est passé, ouais. Donc il y a. Ouais, enfin, ça veut dire qu'il était ici, était bon. On repositionne au milieu rapidement, derrière il y a la phase des couleurs. Plein tap. C'est bon. Non, parce que ça m'a pas avancé. On va se prendre, c'est pas grave, mais au moins on regarde les mécaniques. Attention, Mizu, t'es pas côté bleu. Ah, je suis pas du bon côté. Bleu. Pareil, je suis pas du bon côté. Ah. Cherchez l'autre violet, my man. Du coup, je vais faire le premier cut dans tous les cas, comme ça vous pouvez vous replacer tranquillement en tank. Le deuxième, du coup, c'est le tank qui sera sur Adelphel qui le fera. C'est juste après les trucs PlayStation. Et si tu as un vu, tu peux directement aller au milieu. Hein. Tu vas directement positionner au milieu. C'est juste qu'il y a un damage down, donc techniquement il y a moyen de le faire sans, mais bon, c'est. Bah, a priori, le DPS check, c'est. On arrive si tu veux damage down, il faut que tu ailles au nord au début. Tu peux pas aller au sud. Tu veux dire, faut aller sur le boss, c'est ça? Bah, il faut aller à la direction opposée de là où il démarre, mais sur le cadran. Enfin. Ouais, faut aller voir ça. Ouais, pour expliquer après. West.
Ouais, c'est vraiment... Ah, je suis un idiot. Ça bouge pas. Ouais, c'est... Ça... Ah. C'est les portails, je crois. Non, il y avait encore... Non, il n'y a plus de portail à ce stade, non. Non, est-ce que... C'est, ça doit être manque de mythique, c'est possible, hein. Ouais. J'ai plus rare, quoi. C'est ça, on arrive au moment où c'est notre dernier... Je peux peut-être move un CD. Est-ce qu'on peut faire le point de ce qu'on a là au niveau des symboles PlayStation? Parce que moi j'ai rien encore. On est à une 15 à peu près. Une 10, une 15. C'est-à-dire t'as rien? Moi j'ai déjà claqué tacticien, donc ça veut dire qu'on a, on a plus de mythique heal. Est-ce qu'il reste genre défendre? Bah des adultes du coup il n'y en aura pas parce qu'on a claqué avant. Est-ce que c'est feintable ça? Je suis pas sûr. C'est qui c'est... fait? Après faudrait peut-être une mythique de raid. Genre un tank qui met une mythique de raid. C'est peut-être. J'ai la mienne. Parce que ouais, on est paqué au sud, après on prend les dégâts, à ce moment-là il y a le temps de mettre de la mythique, mais... Oh là, attends, on a pris un 700 cœur. C'est Charibert qui fait les dégâts, on peut pas le feinter. Je croyais que c'était justement le truc avec les chaînes, c'est que les portails sont encore derrière nous, faut juste... Non, il y a plus de portails à ce moment-là. Non, mais on a foiré une mécanique, il a fait un 700 cœur là, c'est surtout... De boule en même temps. Oui, c'est les chaînes qui font les dégâts quand ils sont pas prêts, ils passent à one shot quoi. Ok, voilà. Crêpe a pas pris, que 63k, donc Crêpe devait être bon. On s'est pris. Non, t'as pris 626k. En fait, il y a certains joueurs ont pris deux Heaven's Flame, c'est-à-dire que. Ouais, c'est ça. Les Heaven's Flame, c'est les. En gros, il y a les. C'est des spreads. C'est juste des gros spreads là. On les a vus à la fin, les espèces de gros cercles là-haut autour de chacun. Ok. C'est ça. Okay, ouais, mauvais c'est en plus des tasers en fait. Par contre, quand tu regardes le schéma du guide écrit, ils se propositionnent pas par rapport au symbole, mais ils font nord-sud, est-ouest et puis sud. Ouais, mais le plus simple c'est de faire par rapport au symbole en vrai. Ça marche en termes d'écartement. C'est assez mais c'est pour les écartements justement, je suis en train de vérifier si tu veux. Bah, le truc c'est par rapport à et B, il y a éventuellement un petit peu d'adaptation à faire, enfin en termes de proximité. En fait, c'est juste si vraiment t'es positionné dessus et que tu bouges plus après, il y a peut-être un problème. Mais dans tous les cas, avec la chaîne, il faut encore reculer un petit peu pour être certain. Ok, et il y a moyen d'adapter à ce stade-là. En gros, faut pas être dessus, de toute façon, il y a effectivement plus les portails. Là, je viens de re-regarder dans la vidéo. En gros, on se fait bump un peu plus loin que le truc. Il suffit de si on était bump pile dans la bonne direction de notre symbole, enfin de notre marqueur en tout cas, on est bon. On serait assez écarté à la fin. Donc on est derrière le marqueur, effectivement. Les marqueurs en eux-mêmes sont trop proches. Donc rond c'est rouge, triangle c'est jaune, croix c'est bleu et carré c'est violet. Ouais. Après pour les répartitions, il y a aussi dans le truc écrit, c'est ils ont mis justement par rôle, on se met à une position. Et là, on peut faire un truc en éventail où celui le plus à gauche, il va aller vers le plus à gauche, celui le plus à droite, il va aller le plus à droite. Et comme ça qu'on sache la priorité qu'on a par rapport à cet ordre là. Oula, ouais, je vois, mais le problème c'est vu qu'on n'a pas exactement le même truc. En fait, le truc d'éléantail, quand on imagine on est en cône derrière le boss, on bouge plus. Celui le plus à gauche, il va le bouger le plus à gauche. Le prochain, il va aller sur la prochaine à gauche, etc. Perso. Le truc c'est qu'on peut pas se prépositionner, donc il faut s'adapter par rapport à la position actuellement quoi. Après là on était pas mal, c'est juste qu'on était... fallait juste ça. On était bon, c'est ça. Mieux dessus, mais... C'est ça, c'est les AOE qui nous ont tués, pas les chaînes au final. Ouais. Non, je pense qu'il faut Si on est assez rapide pour faire les symboles en fait. Et savoir qui a la priorité, c'est bon, mais... Non, ça avait l'air d'être bon, ouais. Tu disais Thierry, pardon? Je crois que les chaînes n'étaient pas toutes cassées parce que s'il faut qu'on recule, le push n'est pas suffisant pour casser la chaîne. Oui. Ça dépend où on est, ouais. Si on est plaqué au centre, ça suffit pas de juste le comeback, il faut encore reculer. C'est un peu une question d'être safe, de faire deux pas en arrière pour attendre que ça soit bien pété en fait. Sachant aussi que la range la chaîne elle va péter, elle est plus importante si on n'est pas calé au centre. C'est justement Ah oui, ok, oui. Si on est déjà éloigné.
c'est déjà une distance supplémentaire. C'est pour ça qu'on est packé au centre, pour que la distance elle soit le moins possible. Ouais, oui, c'est, on peut pas se prépositionner pour se faire même encore plus loin en fait. C'est par rapport à nos positions initiales et pas par rapport. C'est ça. Juste à une chaîne quoi, enfin, à une distance fixe. T'es trop près d'un tas d'un. Je suis morte, celui-là. Yayit. Si on suppose qu'il apparaît au sud, est-ce qu'il y a une position proche? La position proche, ça serait où le safe? Il apparaît au sud, ça va dépendre. S'il part par là, bah ça va être là. Et inversement. Au tout départ, où est-ce que t'es posé? Ici, est-ce que c'est bon pour commencer? En supposant qu'il est au sud, juste. Enfin, tu veux dire qu'il démarre là, là? Ouais. Oui, bah t'attends, ouais, tu te mets là et t'attends et tu vas à l'opposé de là où il charge et puis. Non, du même côté. Sur la Non, on va du même côté, ouais. Non, mais c'est. Attends, non. Oh. Non, il fait un espèce de S hein, si tu veux. Oui, je sais, mais s'il démarre au sud, là, on veut pas. Tu vas aller à l'opposé. Tout le groupe, il va commencer à l'opposé. Et celui qui a l'aggro du paladin, il peut se mettre de ce côté-là. Et comme ça, il est déjà dépaqué. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non. Pas censé en gros, il faut dépaqué dès le début, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un problème si on n'est pas paqué? Je pense. Non, je crois pas qu'il y ait un avantage pour moi d'être dépaqué. T'es déjà dépaqué et t'as là une position safe ou personne d'autre. Je me prends sûrement des trucs si je suis dépaqué. Ouais, en fait, il faudrait qu'elle se fasse bum de l'autre côté en gros. Il faudrait qu'elle se fasse bum vers là où il va démarrer pour aller en opposé par rapport à nous. Oui, si elle démarre au sud, elle doit se faire bum vers le sud. Oui, et après, le problème, c'est qu'ensuite, elle va pas se faire dash littéralement. Ouais, le problème, c'est que. Et justement, non. C'est pour ça que la position easy safe. Je l'ai fait trois fois, c'est juste que moi, à chaque fois, je me fais niquer par les portails, parce que je me fais avoir par la range des portails. Mais non, t'as le temps. Si tu peux. Le dash, c'est que les explosions derrière qui font des dégâts. Ouais, c'est les explosions qui font des dégâts. Le dash lui-même fait des dégâts. Ouais, mais tu peux, si t'es là, enfin, genre, si tu te fais. Le boss il démarre là, tu fais knockback ici, remets là, t'attends qu'il fasse son dash, là, il y a les boules. Si par exemple les boules il les a posées vers A et B, bah t'as le temps de genre un sprint et tu te mets là. Puis voilà. Ok. Ah oui, c'est ça, ouais, mais en gros, le mieux c'est d'anticaber, de rester vers le milieu. Oui, ouais, tu poses un petit d'aller sur la bonne. Ouais. Après, c'est juste chance que bah y a les portails, ils ont une range de grip assez loin, donc il faut pas. Ouais, le plus simple c'est d'anticaber, de passer du milieu. C'est une solution pour ne pas se paquer au centre et avoir deux zones safe. Ou... Chaque groupe sera sur ce zone. Ouais, celui-là, c'est surtout si tu veux que ton deuxième tank il ait pas le damage done et c'est tout. Il peut quand même en vue, mais il aura pas le damage done.
Wow. Oh, ouais, à un moment là, des gens vont mourir. Ouais. Yep. Ok. Quoi, Foco, tu veux pas remonter tout le monde? Est-ce que c'est Grino qui fait les dégâts là ou c'est quelque chose d'autre? C'est Adelfel qui les fait, je crois. Ah, non. Holiest of Holies, c'est Adelfel. Ouais, c'est Adelfel. C'est celui qui charge. Ah, on peut le feinter lui peut-être. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on lui a allumé un Adel. Jusque-là, on était pas full life parce qu'il manquait notre. Mais notre... Ouais, donc en fait, quand il apparaît, il est ciblable ou... Ouais, il est ciblable. C'est pour ça qu'on l'a Adel down. D'accord, d'accord. Ouais, donc Bogo, tu le fais? Non, mais c'est bon, il y a déjà un Adel en fait. Parce que je n'ai pas la portée. C'est ça, il y a un Adel, hein, t'inquiète. Si on est full vie, on survit. D'accord, ok. À moins que je me TP dessus. Vous voulez que je tente? Je peux tenter. Non, 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 t'inquiète. Alors, ça me donne vraiment envie de tenter maintenant. Tu vas juste mourir comme un caca, si tu pourras pas esquiver le dash après. Oh putain, depuis tout à l'heure, avec les rayons là, je suis là en mode, je pourrais tellement avancer. Est-ce que j'avance? Et à chaque fois je suis là, à quel try je vais tenter d'avancer pour voir que je survis. Désert. Il l'a fait. Ouais, on va mourir. Ouais, c'est bon. Ah, attends, à chaque fois, je me... Après, quand on est pile au centre, normalement, on est à portée de tout, non? Ouais, on est à portée. Je peux feinter s'il faut, enfin, c'est juste... Moi, j'ai pas de problème à le faire. Mais tu l'utilises pas déjà hein, pour un autre tour? Bah, je l'utilise avant, mais du coup, c'est. Bah, on peut en échanger. Mais écoute, moi je préserve mon Adol pour ce truc là, donc je pense que ça le fait. Hein. On l'a passé grâce à ça. Oui, c'est ça, non, là ça fait deux fois que bah, Grinch meurt, donc il nous manque un heal. Pourtant, je fais tout bien. Ouais, non, c'est juste t'es pas full life quand tu reprends un pied. Et paf. Non, oui, cette de mécanique est bien fait. Hein. Le soit stylé. Ça c'est pas pratique. Regardez le type, non mais regardez le. Faites un mouvement à 360 à la caméra. C'est, vous c'est pouvez pas... regarder. Et on le voit sur la map. Vous regardez la map et il apparaît. C'est le plus simple. C'est. Ah c'est vrai que c'est plus simple que le 360 noscope. Ok joli là, non mais faites un 360. En sautant s'il te plaît. Bah le S ouais, je pense que c'est le point de la pointe à l'est et l'ouest, c'est aussi safe, je pense. Ouais non mais c'est juste pour... En fait ils sont plus safe pour le déplacement au niveau de... Vu que les portails sont plus larges. Ah. C'est juste ça en fait.
Bigot. Oh. Non mais il m'a conditionné, j'étais tellement habitué à partir par là que... En vrai je comprends. Si jamais il y a des... Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Enfin, je sais pas s'il y a un autre terme technique, mais... Ouais, mais c'est bon, c'est trop pas de côté. Hein. Non mais, ça va ça bien, mais je sais comment... Non, oui, pour le pré-placement sinon, t'inquiète, mais c'est ce qu'on a fait là, genre... Ouais. Finalement, on est à peu près bon là. Non mais t'as bien vu que j'ai fait un brain fart, hein. Oui, oui. Non, j'ai joué à ça, physiquement, j'ai à tout le monde. Mais oui, oui, non, le pré-placement, on le fait là, genre... C'est, on l'a appliqué. Placez-vous. Ah ouais, j'étais trop proche du portail. Mais... Alors, okay. La technique, je peux vous recommander, c'est qu'après avoir été bump, pour revenir vers le haut. Ouais, vous avancez, avancez sur le losange qui se trouve juste devant. Ow. C'est où les limites safe? Est-ce que il y a plus loin que le losange? Non, mais je pense effectivement revenir à peu près là, c'est safe. Hein. Je sais pas si pile au centre, est-ce que c'est safe là? Bah, pile au centre, je sais pas, mais en vrai, par rapport au portail, genre si on est là, on est large. Ouais, le portail, c'est. Je pense qu'à partir de. Ouais, c'est là. À partir de ce cercle là, il te gagne un peu. Ce que j'ai fait, c'est. J'étais là directement, c'est... et là, j'ai proc. Ouais, pareil, parce qu'en gros, quand on était par là, en fait, Crêpe, on l'a pris tous les deux, là, hein, il était... Ouais, il faut... Ça se joue vraiment pas à grand-chose, hein, ouais, c'était un pas près. Que tu sois entre là et là, je ouais, pense c'est... que c'est... Tu fais C, puis tu vas sur D. Vis C, puis après D, hein. Et même ça, je pense que c'est safe aussi. Oui, ouais. Ouais. C'est okay. Bon, quoi, c'est bon, faut quoi? Yep. Non, les portails sont assez... Je les grippe assez grande. Ouais, ouais, faut se positionner à hauteur des pointes de flèche. Ouais, non, mais c'est le trajet en fait. Ah, mais c'est ce que je dis. Après avoir été bump, en fait, faut que tu t'avances au niveau de. Pour être à hauteur des pointes de flèche. Comme ça, tu fais pas la diagonale qui te. Potentiellement te tue. Tu fais directement une ligne droite. Parallèle, voilà. On se préplace. Ah, stress. Genre là, on va tous se faire bump. Et là on avance juste à hauteur voilà, des pointes de flèche, et comme ça après on peut cesser. Ouais, c'est bien. Ok. Interrupt. C'est bon, il est passé. Hein. Donc là c'est tous au centre. Autour de Grino. Carré, c'est rose. Carré, c'est rose, non. Il est secours. C'est violet, tu veux dire. Oui, c'est violet. Le rouge c'est rouge, le violet c'est violet. C'est ça, un rose violet, voilà. C'est rose violet. C'est pareil.
C'est pas rouge. Les couleurs, elles correspondent. Oh, bah ouais, tu dis rose, rose, c'est plus proche du rouge que du violet. Hein. Tu joues vraiment avec la couleur nocturne. Mec, t'as un bon... Ça doit vraiment être jouer au jeu avec. Il est fait français daltonien quand même. Okay. Bah, ouais, il y a des paramètres daltonien aussi. Il y a les modes daltonien. Carré, c'est D et 4. Non, mais c'est surtout, voilà. Je crois qu'il jouait avec le. Enfin, c'était du troll, Vision Nocturne. Ça te défonce tes couleurs. Hein. Ouah, c'est, bon, ça te les détruit. Hein. Non. Ah, c'est juste. Non, c'est juste. Non, sinon, je peux pas jouer, c'est non, trop bleu, ça m'explose les yeux. C'est pas que ça détruit les couleurs, c'est juste qu'il n'y a plus aucune nuance du rouge jusqu'au jaune. Ah, bah oui, enfin, genre, t'as zéro contraste, hein, tout se ressemble. Tout est rouge. Non, non. Ouais, alors tout est pas vraiment rouge, mais ouais, je confirme avec les lifesaver mode là, les anti-blue. Anti-lumière bleue, c'est bah tout est jaune en fait. Oh, t'as plus qu'à apprendre les chiffres. Bon, après, il y a un ordre spécifique aussi, mais c'est faut le connaître. Mais les supports ils sont un genre nord-sud, enfin non. Ça dépend parce que tu peux avoir deux trucs en tant que tank. Ouais, mais les tanks c'est plutôt sympa. Oui. Oh, non. Mais faut juste réagir au truc, hein. C'est... Meilleur strat. Tu peux être Taser soit un heal, soit un DPS. Taser. Grino bien au milieu. Carré. Ouf. Ouais. Ouh. On y était presque. T'as le tank qui a Delphel, faut qu'il l'interrompe. Pourquoi je suis mort? Je crois qu'on. T'as pris mon AO au passage. Après il y a Anti aussi. Anti Dimension, c'est le donut, et ensuite après le donut, il y a le. Il y a un AOE en fait à la place, donc c'est in-out. Il peut être soit Anti, soit full, et full ça veut dire qu'il faut s'écarter, Anti c'est intérieur. Il fait les deux d'affilée. Après, je sens pas. Ah bon? C'est l'un. Vous croyez? Soit l'un, soit l'autre, il me semble. Ok. Donc là c'était comme celui de départ, et sinon il y a full où il faut s'écarter. Et après c'est son raid, c'est ça il fait le truc qu'on interrupt. Après ouais, il y a trois trucs à puis ensuite, interrupt. Ensuite le troisième interrupt, ouais. Le troisième interrupt, normalement je peux le refaire si je dis pas de conneries. Est-ce que vous avez un ordre spécifique? Je prends 1 et 3 normalement en interrupt. Il faut que le tank Kaal Delphel fasse 2. J'ai même pas le kick et de Bryn dans ma barre de sort. T'as pas de kick en mêlée. J'ai trépassé. Ouais. Ah bah c'est... Je me suis rendu compte. C'est gentil que tu... Mais que tu colles, c'est bien. Sinon je le vois pas. Ce qui explique que mon kick n'est pas Bryn dans ce cas-là. Incroyable. C'est fou, hein. Merde. Ah. Ça va être compliqué, attention. Ça passe. Ça va demander un geste de plus pour qu'on soit topé, mais ouais. Oh non. Pourquoi sacrifié. Ouais, bon, putain.
Bon, on a le temps de faire le tour, même s'il y a une petite erreur en chemin, dès qu'on la détecte, on a le temps de... C'est quoi qui positionne le donut? Parce que j'ai l'impression qu'il est pas toujours à la même... Le boss, c'est autour, le boss, du boss. Ouais, c'est autour de Grino. C'est Grino qui le fait. J'ai l'impression que parfois il est un peu à droite, parfois un peu à gauche. Et... Là, ça ressemble à où il est positionné. Quoi. Ouais, c'est ça. Il est pas toujours pile au même endroit. Donc ouais, c'est... après que le gain soit fait, on peut se rapprocher, même si ça laisse pas beaucoup de temps avant ouais, qu'il puisse se faire. Je vais faire ça, je vais faire un ou deux pas. Oh non, tu me fais une glace au chocolat là. Ah, j'ai cru que c'était Big Crunch. Oh, je suis allé trop loin. Bien sûr, je suis débile. Là, faut interrompre si quelqu'un peut. Ah. Ah, merde, moi aussi. Il a été fait. C'était Grino Middle. Comment oh, ouais, je sais pas si on peut mettre une priorité sur les supports ou les DPS qui bougent en priorité. Ouais, c'est presque on peut après, donner hein. Des trucs, genre par exemple, on peut dire. Vu que, genre, on sait que les tanks ils auront tout le temps un square, un cross. Donc par exemple, le tank square il va tout le temps au nord. Ah oui, les tanks on a une position prédéfinie quasiment et on bouge jamais. Ouais, c'est ça, vous en avez deux, ouais. C'est... Du coup, genre en cross, je sais pas si vous allez au nord ou au sud. Le DPS square ira tout le temps au sud. C'est-à-dire le DPS square. Il y a, il y en a tout le temps qu'un. Le guide, ouais, le guide papier le donne. Bah, c'est pareil pour le triangle. Non, il y en a un. Faut les dire. Triangle, c'est un heal, un DPS. Donc par exemple. Après, si. En fait, le truc c'est qu'il faut que tout le monde soit vraiment bien au milieu. Parce que si commence à y avoir de la distance, c'est vrai que c'est chiant, que c'est long pour se replacer. Mais je pense que si tout le monde est bien centré, t'as pas trop de problèmes pour te placer. Donc on essaye de le faire par rapport au marqueur ou par rapport à... au schéma? Bah faut connaître... Je pense que le plus simple c'est de connaître les positions qu'on peut avoir en fait. Pour avoir des soft priority. Ouais, genre, on peut aussi dire genre par exemple les deux temps vont... Il s'assure de plus écarter les gens pour... Parce que là, ouais, mais si on se laisse bump, c'est bon. Le truc, c'est par exemple sur le chemin écrit, hein, on prend le cas des healers, donc qui ont soit le triangle, soit le. Par exemple, si commence donne... au sud-ouest, mais comment ils savent lequel va rester sur le X? Attends. Non, mais on peut rester avec les trucs de couleur, c'est très bien. C'est juste par exemple, on dit les deux tanks restent au nord, donc ça veut dire le heal cross va tout le temps au sud. Le heal triangle, on va l'envoyer tout le temps au nord, comme ça il y en aura un de chaque côté. Ouais, pour les healers, tu peux avoir un cas où tu vas avoir les deux healers qui vont avoir X. Est-ce que c'est possible? Je pense. Non. C'est marqué au-dessus, hein, c'est marqué au-dessus. Au-dessus des positions, là, il y a marqué genre DPS, deux cercles, un triangle, un square, tank, un square, un cross, healer, un triangle, un cross. D'accord, c'est pas un ou, c'est un. D'accord. Ouais. Donc si on met les deux tanks vont au nord, le healer triangle va au nord, et il reste donc un des DPS ronds qui ira au nord, ça fait que les DPS triangle et square vont au sud, et le healer cross va au sud. Ouais. Voilà, et il reste seulement les deux DPS ronds qui doivent s'organiser, alors je sais que moi si je vais rond, je vais tout le temps au nord.
on peut donner genre soft priority sur les ranges au nord, et si c'est Thierry à moi, bah Thierry va au sud. Le voilà. Seul moment où il y a vraiment un problème de priorité, c'est pour les ronds du coup, parce qu'il y a deux ronds. Ouais, mais c'est ce que je te dis, genre par exemple, tu peux dire... en gros, on donne soft priority au range pour le nord. Donc Thierry ou moi, si Thierry et moi on a le truc, moi je vais au nord, Thierry va au sud. Et si vous avez tous les deux en mêlée truc, on va dire Crêpe tu vas au nord et Bobo tu vas au sud. Ouais, ça aide beaucoup ce... Voilà, comme ça vous avez toutes les... D'accord. J'ai rien bité. Mais je veux... j'irai vite, pas de soucis. Ouais, t'inquiète, si t'es le dernier à t'adapter, ça va. Non, c'est bon. Le schéma écrit, enfin, avoir justement le savoir qu'on... Un rôle, il a forcément deux trucs ou trois, ça aide pas mal en fait. Alors surtout en fait, ça fixe les tanks et les heals sur ce qu'ils doivent savoir et c'est très simple. Ah putain, attention. Donc, alors, comme t'as pas bougé, ça a bien marché en fait. Ouais, juste 2 minutes de damage down, mais sinon ça va. Par contre, j'ai pas de signe moi. Parce que je suis mort. Ah. En fait, je vais en tic-tac pas comme ça, il n'y a plus le problème de reculer derrière. Tu veux pour le positionnement, si tu vises la flèche dorée là, le petit truc doré là, c'est bon, normalement il est centré. Ah ouais. Mais juste derrière. Et il vient au centre. Et juste derrière. Oh merde. Comme ça. Ici c'est safe. C'est un 8. Ici c'est safe. Ouais. Non, là où t'es. Enfin, ta dernière elle est pas safe. Pense. Ouais. Enfin, c'est au niveau des rouges. Attends, je sais pas de quoi, de toute façon, je sais pas de quoi tu parles.
De quoi, c'est un manque de réduc? Non, bah, je sais pas, non, Marie, pas on était paquet en tout cas. Normalement, je suis pas trop mal placé. Je pense qu'on s'est tous les deux rapprochés du boss et on est devenu trop proche. Tu pas rapproché. Et après, toi, t'as rien à faire là normalement. Non, c'est Mizuko ici, non? Attends. Le truc en fait, c'est. Les tanks sont normes. Les, les couleurs qui sont dans le schéma papier et ce qu'on a là, de toute façon, c'est pas vraiment la même chose parce que. On a les carrés qui sont pas au même endroit, on a les X qui sont pas au même endroit. Enfin, parce que là, ce qu'ils ont sur le papier, c'est forcément sud, sud-est, est, nord-ouest, etc. Là, on n'a pas vraiment l'équivalent, donc... Certes, mais les tanks, ils sont toujours dans le cadran nord-droite. Il y aura... Ouest, oui. Square et cross, donc oui. Oula. Oui, non, c'est effectivement, vous êtes passé à ça, c'est pas grave. Sinon, c'est pas grave. Moi, j'aurais été pas bon là. Je pense que tu devais pas être bon, ouais, c'est ça. Bah, y avait... voilà. Ou alors c'est Rémi qui s'est trompé, mais genre un de vous deux s'est trompé. 3-4, c'est non, toujours les temps. Rémi et moi, on était au même endroit, c'est juste qu'on s'est rapprochés après. Oui, mais vous êtes pas censé au même endroit. Normalement, c'est l'un voilà. Ou les deux temps. Je suis pas censé te voir. 3, du tout. Non, mais nous, sur le schéma, c'est nord-est pour ça, donc ouais. Bah, c'est plus rapidité de stuff. Ouais, de toute façon, il reste 20 minutes, donc on va aller jusqu'au bout quand même. Mais de toute façon, il y a pas. Normalement, Rim, t'aurais dû être sur croix, je crois, non? Oui, mais croix 3. Ah, mais il y avait Big à côté de moi. T'étais sur C. En fait, t'étais mal posé. Moi, je voulais juste me mettre en face de celui qui était. Non, mais c'est Bijou qui était pas là où il devait être. Enfin... Ah, si, j'étais au nord. Oui, c'est au nord. Que les plus non, il est où le nord? Oui, oui. Ouais, le nord, bah voilà, il est sur 4. C'est bon. Oui. Bon, quelqu'un s'est trompé. Oui, quelqu'un s'est trompé. C'est pas très grave. C'est ça. Ah, je suis trop tard. Gorizet.
Il a pas voulu passer le lien là. Ouais. Pour reculer. Parce que j'étais trop, on a reculé, trop loin au début. Beaucoup reculé, mais. Ouais, on était max range là, au vu où on est mort. Peut-être qu'on était trop loin au début, hein. On était pas un bon angle, je sais pas. Faut être proche au début, c'est la priorité. Ouais, c'est ça. C'est j'ai essayé de me remettre proche, mais peut-être ça a snap un peu trop loin. Je pense qu'après le prochain pool, il va y avoir des stuff qui vont commencer à péter, donc. Oui. On va reset après le prochain, je pense. Ah oui, ouais. Choix de chapeau assez intéressant quand même, Grimo. Oui, hein, c'est bah bizarre. C'est... au cas où il manquait d'un tabouret. C'est trop bien le casque tabouret. En fait, c'est une super idée. Ça peut même doubler en casque table basse. Quand quand les gardes sont trop longues, hop, personne ne regarde. C'est le pad qui s'assoit dessus. Ok, la papo mobile soit pas là. Bam. J'étais trop près de mise, je pense. Même pas, je sais pas. Là, faut des casses. Allez, puis j'ai claqué sur le précédent. Faut vraiment avoir confiance sur le premier. Ah, et en fait, ouais. Plus dimension, c'est extérieur. Ah, oui, effectivement, ouais. Il en fait qu'un, du coup, vous aviez raison. Du coup, je comprends plus. Parce que là, j'étais un hill, mais j'avais le bleu, donc j'aurais pas dû être au nord. Non, t'étais sud. Hill cross, c'est sud. Je suis parti nord et pi 2, mais... Sinon, tu peux dire tank nord et hill sud. Hein. Oui, en fait, c'est ça. Tank, ce sera tout le temps au nord. Mais le hill triangle va sud, en fait. Le hill cross, pardon. Le hill triangle va nord et le... Et pourquoi t'es obligé de mettre... Pourquoi est-ce que t'es obligé de mettre le hill... Tu peux mettre les deux hills au sud. On pourrait, mais c'est chiant. En fait, pourquoi? Du coup, ça fait qu'il y a un côté qui a plus de heal. Bon, on est tous ensemble au pop. Ouais, mais idéalement. Après, je peux te mentir, je calcule pas si je. Ouais, je pense que. S'il y a du heal partout, hein, j'essaie de survivre. Et ça fait plus de situations pour les DPS aussi, en fait, du coup. J'ai mis un réparateur dans la maison. En fait, le truc, c'est qu'on a juste les tanks qui sont 3 ou 4, les heals qui sont C ou B, et les DPS. Regardez tous les skins. A, D, 1. En vrai, tu te retrouves dans la situation où quand t'as triangle, tu vas au nord, quand t'as carré, tu vas au sud, et puis circle, tu te démerdes. Mais en fait, dans tous les cas, tu dois toujours te démerder, donc. Je sais pas si ça change. Pour les supports, il y a que 2 positions pour dans les deux cas. Et pour les DPS, il y a 4 positions. Ouais, et c'est ça. Ça sera toujours ces 4 positions là et ces 2 positions là. Mais c'est pour ça que si on l'a fait ça une fois. Ça simplifie beaucoup les choses en tout cas. C'est... Attends, j'ai pas compris tout à l'heure ce que. Mais il n'empêche que dans tous les cas, il y aura que 2 positions pour les heals en fait, peu importe comment on décide de faire la priorité. Oui, mais c'est juste que. Ils peuvent moi personnellement, je trouve ça plus intelligent d'être sûr d'avoir un heal de chaque. Un heal côté nord, un heal côté sud, histoire que personne n'en manque si il y a un truc où ça bouge pas assez. C'est le. Triangle en heal qui est nord, c'est ça hein. Oui, parce que le cross est lié à un tank et en tank vous êtes toujours nord. Donc. Ouais, non, ok. Il y aura toujours un heal sur deux, et, oui, je crois que j'ai dit l'inverse vite fait. Ouais, c'est pour ça que j'étais pas mieux. Je me suis corrigé, mais t'as pas nord le et l'autre c'est. Heal cross sud, ouais. Heal cross sud, ok. Donc ce sera B ou 3, je crois. Pourquoi on va split ? Histoire d'être sûr d'avoir un heal de chaque côté. Enfin, moi je trouve ça plus intelligent histoire de. Qui est pas genre une AOE. Les mythiques, on les fait quand on est au centre et après la mécanique, on se repack au centre. Donc, y a
pas vraiment. En fait, oui, oui. Après la mécanique, y a pas de dégâts directs. Pour moi, la résolution, c'est soit tu one shot, soit tu survis et après tu revois. Oui, mais c'est les mythiques qu'on était au centre, pas après le bug. Oui, oui, non, mais c'est ce que je dis pour l'arc. Ah, mais là, oui, non, mais c'est genre. Techniquement, si tout le monde est pour mettre genre les deux îles au nord, alors mettez les. Enfin, les deux îles au sud, pardon, mettez les deux îles au sud, moi ça me change rien. C'est juste que moi j'ai tranché de façon arbitraire, hein. Si tout le monde est pour faire la verse, je m'arrange. C'est juste que si vous avez 4 positions à la place de 2, il y a un peu plus de travail à faire. Non, il y a toujours que 2 positions, c'est juste 2 positions à retenir. Juste qu'effectivement, s'il y en a une au nord et une au sud, genre. Deux au sud, tu vois, c'est genre la différence. Le problème, c'est que si tu veux que les healies soient splittées, faut qu'il y ait un autre rôle qui se split aussi. Bah, DPS. Bah, le truc c'est que pour les heals, il y a un DPS qui va être triangle et tu as un tank qui va être X. Ouais. Et eux, faut du coup qu'ils s'adaptent aussi par rapport à ça. Et du coup, il y a plus 4 rôles pour les DPS, il y a 5 rôles. Et il y a plus 2 rôles pour les tanks, il y a 23. Non, mais les heals, dites-nous ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez être toujours au sud? Avoir un sud, sauvegarde. Et on s'adaptera en fonction. Voilà. Non, c'est pas les bons. On va l'inverser, je crois. Honnêtement, j'ai pas de préférence, hein. Mais faut juste attends, je peux te la remettre super, quoi. Non, mais c'est bon. Je vais mettre. Bah, décidez, c'est vous qui êtes concerné, décidez. Moi, ouais, je suis chaud pour être flexible. Enfin, le truc qui arrange le plus de gens, je m'en fous. C'est bien, on te c'est juste que là, je suis parti au nord alors que j'aurais pas dû, quoi. Je préfère prévenir. Bah, c'est le truc est pas au point, quoi. Si on vous dit tout le temps sud, vous prépositionnez au sud et vous bougez plus. Hein. Ce sera entre C et B et puis voilà. Soit c'est ça, soit ce sera entre C et 2. Qu'est-ce que vous préférez, que ce soit toujours entre C et B ou entre C et 2? Bon, bah autant entre C et B, ça va être plus simple. Ok, bah alors on dit les deux îles au sud. Ok. Donc c'est C et B pour les heals, 3 et 4 pour les tanks. Pour les tanks. Et les DPS, DPS c'est triangle, c'est 2. 1, 2, D et A. C'est ça, ouais. DPS triangle, c'est 2. DPS carré, c'est pas des verts. D. Attends. Oui, c'est un seul vert. 1 sur 2. D et A, pas B et A, je veux dire. C'est genre au sud, c'est les deux extrémités et 1 et 2 sur le nord. Pour les DPS. Donc 1, A, B, et. Non, 1, 2, non. A et D. D carré. C'est ça, en DPS. 1 et B et D, ok. Ouais, c'est bien ça. On va penser à en bouffer aussi. C'est pas déjà fait. Hein. Ouais, sur cette mécanique, si tout le monde pouvait avoir les 4 rôles, ça serait. Ah, ce serait le bordel, hein. C'est chaud. Mais surtout qu'on rende ça en blind, c'est. Bah, en vrai, à force de pool et de repool, tu vois quand même des trucs. Ah mais ouais. Bouger assez rapidement. Je suis encore sur les vents, terrible. Aïe aïe aïe.
T'es encore sur quoi? Sur les poules 20. Bon, ça y est, faut qu'il n'y a plus le temps là. J'ai pas eu le temps de... Bon, mon écran a pas eu le temps de charger, il avait déjà fait le ready check. Bah non, du coup, on a dit les deux îles aussi. Bah ouais. Ah, du coup, c'est toi, Crêpe, qui t'es tombé. Attends, pourquoi c'est un vert? Par rapport à ce qu'on a dit. En DPS, c'est D, 1, 2, et... Et A. Et A. A, 2, ok. Ouais, donc on sait... D, 1, 2, A. C'est ok, on s'est égouré, donc c'est pas B pour les DPS, c'est bien ça. Ok. Attention, big de l'autre côté. Ah oui! Ça y a un truc que je dois mal faire. Bah, par exemple, Bogo, il était vraiment loin de moi, mais je crois qu'il a pris le double Heaven's Flame. Mais moi, je l'ai pas pris, par exemple. Je suis pas sûr, je pense que c'est qu'on était pas assez loin avec la chaîne, mais bizarrement, on était super loin et j'étais bien en mêlée cette fois-ci. C'est ça, hein. Enfin, même Bogo, il était bien loin quand il est mort. Bogo s'est fait auto. Ah, ok. Alors attends, un trade manquant. Non, Bogo, je comprends pas comment il s'est pris de Heaven's Flame. Non, Holy Chain. Non, c'est pas là, c'est Holy Chain. Ah, Holy Chain. Ouais, okay. On n'a pas pété la chain, je l'ai clairement vu, s'il était avec moi.
mais bah, je sais pas, on était super loin. Ouais, genre Pogo il était ultra et loin. Et on a démarré bien en mêlée quoi. Le truc c'est, faut vraiment jouer sur le côté safe, même si on a l'impression que la chaîne a pété, c'est juste on recule le plus possible et dès que c'est. Dès qu'on ouais, a... non, mais enfin, on était contre le bord de la salle. Quand tu regardes leurs cadavres, ils étaient tellement loin, genre. Est-ce qu'ils ont été bump? Ouais. Non, on était bien placés. Bogo il est mort là. C'est ça, et moi je suis mort au même endroit mais en face. Alors, après c'est peut-être. Je pense que c'est peut-être sur le bump. T'as pas été bump parfaitement dans le. Ouais, mais c'est pareil, je veux dire, j'avais le temps de faire péter la chaîne. Si, je suis parti en arrière après. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que t'as été bump sur le côté, sur le niveau de l'est. Et en fait, t'étais pas directement en max range, ce qui fait que t'as dû te décaler pour augmenter la range. Et je pense que le temps de faire ça, ça nous tue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, mais bon. Attends, il y en a 4 qui sont morts d'un coup. Je pense que ça joue sur une connerie comme ça. Attends, comment ça marche là? Parce que c'est pas dans le même groupe que les personnes sont mortes d'un coup. Non, sinon c'est qui c'est Rémi et Mizu qui sont morts. Oh, moi je sais pas, j'ai l'impression de mourir une fois sur quasiment 75%. Les dégâts, est-ce que c'est les chaînes quand tu es. Vous étiez trop proches l'un de l'autre. Oui. Vous avez pris double Van Flamer. Et ceux qui sont ouest, non, ceux qui sont liés, ça les insta kill pas. Ouais, ça nous tue après. Si, ça nous tue, mais ouais, voilà. C'est ensuite les DPS, genre les gens restants avaient 10k HP et du coup, forcément, vu que les boss partent. Oh! C'est quoi ce cuck? Ils ont enlevé le pré-poulot d'automne? Inadmissible. Nice. Direct. Le cut. On se pack, il va y avoir le donut. Intérieur. On tire à l'intérieur. Cut. C'est la surf en rage. Ouais. Ils vont faire très mal. Ouais, bon, voilà. Ah, bah, et puis en plus, ils se réveillent. Du coup, y'a pas un autre red white, un red buff complet, c'est avant qu'il y a l'enrage. Alors, attends, combien? On est à 2-14, donc ouais, on est pas complet, mais on est dedans normalement. Non. J'ai pas poté, donc. Je pas pote non si plus. On, donc. Si on pote, ça sera forcément la première. Bon, après, j'étais mort, donc j'avais pas mon cycle complet. LB, on était où? Tu peux pas compter dessus, je pense. D'accord. De toute façon, si c'est. Enfin, je vais regarder, mais. Je vais regarder sur le replay. Mais dans tous les cas, si on est pas au moins à 2, ça compte pas. Ouais, non, on est loin, je pense, de la 2. On a combien en temps? 2-14. On finit 2-14. Juste. Bah, 2-10 à peu près, je pense, pour la fin de case d'arrêt. On finit juste de remplir la première.
Ouais, on est à 1 et 20% à peu près. Non, non je pense pas. Okay. Éventuellement, justement, votre cycle de dégâts, si vous pouvez le placer un petit peu avant les 120 secondes, peut-être ça peut aider. Parce que justement, on n'a pas le moyen de placer avec le red buff. Un peu. Ouais, bon, moi je peux pas avant les. Je le remets à 120. Moi c'est. Je sais que je, moi je peux. Donc. Ouais, c'est prévu pour les 120. Ouais, mais par contre, ils ont enlevé le pré-pool au Doton, c'est inadmissible. Mais c'est chiant en même temps le pré-pool Doton. Oh mais là c'était totalement indiqué. Commence à voir paquet 1, il y a le holy qui arrive. Je note. Derrière. Où il vient pas? C'est paquet. Si la feinte on la récupère, je vais peut-être récupérer ma feinte à ce moment-là, donc je pourrais peut-être en placer une. Tu devrais pouvoir, ouais, normalement. On est sur une 40 là. Et qui tu lances le grosse AOE, c'est Adelfel. Adelfel, ouais, en général, les Ok, donc je le ferai dessus. Voilà, c'est surtout qu'on était déstabilisé par les morts, mais. Bah, c'est ça qui nous a tués aussi. Jusque ce à quel moment c'est. C'est après 90 secondes, donc j'ai récupéré la feinte. Donc, ouais, je l'aurai. Ouais, c'est mort. Ah, on va écouter rien.
faudrait vraiment. C'est pas quel... En fait, on peut se prépositionner quand il faut et après on se rapproche encore pour bonne mesure. Parce que dès qu'on est prépositionné, même si on se rapproche, techniquement on sera toujours bien positionné. Oui, effectivement. Si je veux bien se rappeler par rapport à Grino. Merde, je suis trop sur le côté. Je crois qu'on peut reset. Hein. Bah, go train. Hein. Je fais ouais, le res, mais. Ouais. Niveau en raid, ça va être très compliqué. Il est mort aussi. Ouais. Go s'entraîner. Ouais, go le reset. C'était sensiblement meilleur. Ouais. Je sais pas ce que tu m'as fait là. C'est censé une hécatombe là. Ouais, ouais, ouais. C'est que j'ai bougé trop vite ou j'étais pas assez sur la pointe. Je sais pas si c'est la latence serveur ou autre, mais j'ai l'impression que tu m'as trollé, Foco. Oh, si tu veux, bah je te record hein, dans le client, t'étais genre on était au même stade en fait dans la course. Genre, du coup, je savais pas où tu voulais partir. Aïe, aïe. Moi, je t'ai vu arriver une seconde après moi, je me suis dit bon, ok, il avait l'habitude de venir ici, je vais me déplacer.
Il y avait une oreille du camp moins. C'est moi qui ai pas parti, ouais. Genre... Je suis pas assez spam la touche. Et plutôt je les spam trop tôt. Ah, t'as essayé de faire du triple weaving? Non, non, j'ai juste weave au mauvais moment. Et si du coup elle est pas weave du tout. Non, maintenant pour assurer le double weave, j'appuie fort sur mes... Ça marche bien. Non, non, t'inquiète, t'as détruire hein, les touches en même. En appuyant plus fort, ça marche toujours. Enfin, ça envoie plus efficacement. Ouais, c'est ça. La légende fait que tu fais plus de dégâts, même. On est trop proche en suivant les marqueurs quand même. Cool de faire ouais. Ta rencontre Vogo sur le pont en scène. Ah oui, c'est vrai. Ah mais bon, pas de... T'avais rond, ouais. Ah, j'étais sur... J'avais rond. Ouais, t'avais rond. Je pensais que j'avais que point. Merde. Si la couleur et les formes marchent plat, qu'est-ce qu'il nous reste? Tu ne peux pas avoir croix Vogo d'ailleurs en DPS. Ah ouais, non, j'avais rond. Ok. Je me suis bien prépositionné pour croix, mais... Non, ne prends pas l'habitude. Enfin, sais-tu ? Attends, on non, non. Dépêche. Non, tous les autres. Avant le bump, ah. Je suis prépositionné avant le bump. Le placement était nickel, c'est super moi quand il est mort. Deux trucs trop près. Okay. Il y en avait deux trop proches sur un et deux. On est... ouais, on était tous les deux sur notre symbole, mais le 1 et 2 là c'était. Ouais, on était tous les deux sur notre truc. Ah. Et si jamais vous. Truc, c'est... Ouais, c'est... en fait, tu regardes depuis le centre, bah c'est assez proche quoi. Enfin, peut-être décaler le 2 un peu plus au nord. Ça... Ouais, parce que crépement on était. Nord, ouais, c'est possible. Quoi. Si jamais vous me voyez me balader, ne bougez pas. Hein. C'est normal. Ouais, le bord du carré au niveau de l'étoile, de la pointe de l'étoile, je pense que c'est bon. Ah, même de l'autre côté. Ah, merci Pogosa, tu nous as sauvé. Non, je faisant ça, on se le rapproche de lorsqu'on se fait bump. Oui. Mais techniquement, les
deux sont bons. Après, c'est genre, attention, ça, c'est un peu une question de un pas près quoi. Un peu la symétrie quand il est pile au centre, c'est. Non, parce que. Je l'ai à peine décalé là, genre, ça va pas décaler grand chose. Le truc, c'est que les. Hein, le truc, vraiment... l'étoile, c'est bon, tout ce qui sont. Tout ce qui sont sur ouais, c'est vraiment censé être sur la pointe quoi. Bah, je sais pas en fait, si on regarde le diagramme du dock, c'est pas sur la pointe. Tu vois, on peut voir. C'est un. Où est-ce qu'il est long? Ah ouais, ils l'ont mis avant, effectivement. Ah, et du coup, on n'a pas du tout la. Bah, la... en fait, la pointe, on peut la voir même sans les marques. Hein. Ah merde, donc, je suis de mauvais. Ah. Hop. Ah, eux, ils l'ont par rapport au cercle extérieur. Ouais, en fait, ce cercle-là, je sais pas si c'est utilisable pour. Sinon, on peut utiliser les, comme ça, les pointes entre deux, non si on c'est, met... c'est à peine décalé, du coup, mais. Voilà. Ouais, non, c'est à peine décalé, mais bon, j'en sais rien. Ouais, bah, c'est... en vrai, ça se joue vraiment à un pas, donc pourquoi pas. Hein. Il manque quelqu'un pas côté, centre hein. Centre mais... go away pour moi pourquoi beaucoup pourquoi t'es là parce qu'on s'est peu prépositionné tous les deux au même endroit t'avais un ah bon ouais, vous aviez tous les deux vous aviez tous les deux rond je crois que dans ces cas là j'avais dit ah on était allé au nord donc il y avait personne au nord merde c'est bah, c'est, ouais. Ça, c'est le genre de truc bah ça va arriver un pool sur 10 ouais, peut-être ouais. Mais, alors après, si vous voulez inverser, vous pouvez le dire. Alors, tu t'es TP ou... Non, j'étais prépositionné dès le début. D'accord. En fait, j'étais avant toi, mais tu m'as rejoint après coup. D'accord, ouais, j'avais pas vraiment fait attention, donc... Ouais. Ouais, donc y a pas vraiment une solution, on est... En fait, c'est le seul truc. Ou faut que vous regardiez avec qui vous êtes taser, là, en rond. Fin. Ok. Après, si je préfère un côté ou l'autre, tu peux. Non, c'est bon, c'est juste que bah, rouge c'est alerte, faut faire attention. Ouais.
cut. Ah, pardon. C'est wipe. Il a healé son poteau. Ouais, il se heal tous les deux. Oh. Ça a l'air de vous perturber que j'arrive au dernier moment, mais... Bah, en fait, ouais, t'es pas au sud, donc tu... Bah, le truc, c'est que... Si on est tous au sud, on sait qui est le plus à gauche, on sait qui est le plus à droite, et du coup, on se positionne en fait... juste en reculant. Alors, ouais, mais... là, toi, tu viens au dernier moment et... Typiquement, vous étiez tous prépositionnés, et après, t'as coupé pour aller sur A. Parce que je voyais, ouais... J'étais le plus à droite, mais t'étais pas là, et du coup, t'es venu après. T'étais pas genre sur C, et t'as fait CA, parce qu'il y avait personne sur A. Au final, ça change rien. Je regarde l'ordre des personnes qui sont en lien, je voyais deux autres qui sont à ma gauche, je vois toi qui est en face, et du coup, bah, je sais pas, toi en face, où est-ce que tu vas aller. Ok, je vais remettre avec vous si c'est trop chiant pour... Ça va aider pour d'autres mécaniques après, c'est pour ça qu'il faut s'habituer. J'avais un pied dans la route, c'est bon. Faut qu'il y ait de fois. Wipe. Go wipe. Quand il y a un lien en moins, c'est pas... ça ne tue pas. Bon, après, en termes de DPS, on est plus là. Mais... Je sais pas. Ouais, mais le problème, du coup, en plus, c'est moi qui meurs à ce moment-là. Là, j'avais littéralement juste un pied dans la route. D'accord. Si je canne forcément de quand il me bondit dessus. C'est pareil. Techniquement, ça fait juste très mal, mais je sais pas s'il y a moyen de le mitiguer assez. Ça vous gêne si j'essaye de le mitiguer. Après, il y a des mécaniques où il faut forcément un invul, donc je pense que c'est pour vous habituer à la chose. Enfin, c'est pas. Il n'y a pas d'autre utilisation de l'invul, donc autant l'utiliser. En sachant qu'après, de toute façon, cette phase, on se la retape avec encore plus de mécaniques. Ouais, après dans l'idée... Mais pendant un long fight, donc... Dans l'idée, jusqu'au reset, vous devriez pas en avoir besoin. Donc, autant la claquer.
Triangle, t'es pas bon. Très bien. Ben, je sais pas. Je sais pas si ça snap et qu'on était proche ou si. Je pense, parce qu'il y a que nous qui sommes morts. Lui il est passé, je crois. Ouais. Moi je suis pas mort. Ouais, lui il est passé. Non, c'était bon. Oui, c'est qu'on était trop proche, ouais. C'est là-dessus que je fais un tunnel. Ouais. Ou c'est ouais, après ça, c'est la fin, donc. Mais c'est peut-être après normalement que ça va revenir, je crois. C'est pour ça qu'il faudrait. Enfin, si on n'arrive pas à l'avoir de manière régulière, faut peut-être qu'on passe au setup du document qui est. Il est plus safe. On est plus éclaté. On est nord-sud, est-ouest et les cardinaux et. En fait, là, ce qu'on a, c'est pour les DPS, à la place d'être sud-est, on est prédominance nord-ouest. Oui, j'ai compris, mais c'est bah, j'étais en face, mais le truc, c'est que. Au lieu d'utiliser les symboles. On est rapproché, en fait, parce qu'on reste sur les marqueurs, on a deux personnes l'une à côté de l'autre, alors qu'on pourrait être plus dispersé si on était. Au lieu d'utiliser les symboles, utiliser les points cardinaux en termes ouais, de. Bah le truc c'est que pour les portails il faut quand même qu'on ait un indicateur et... Non mais... Oui on est obligé de garder les marqueurs de toute façon. Ouais c'est ça, c'est marqueur. En fait. Pour les points cardinaux t'as pas besoin de marqueurs. Si on veut passer aux points cardinaux ok, mais le problème c'est qu'on a plus d'indicateurs de couleur avec les marqueurs. Faut apprendre le schéma. Bah ça me dérange... Attends... Bah t'as pas besoin des couleurs au final. Ouais, du coup si on apprend le schéma on s'occupe plus du tout des couleurs. Mais c'est un... En DPS, ouais. Si typiquement si t'as carré, t'es sud-ouest. Oui, si bah t'as... du coup, il y a qu'un seul. Enfin, il y a une position pour chaque okay. Combinaison de rôle symbole. Quoi. Okay. T'es soit sud ça me dérange pas. Ou, finalement, rond, vu que c'est comme les couleurs qu'on a, c'est les seules couleurs qui seront encore utiles. Ok. Donc, les DPS, bah, ça sera sud, sud-est, est, et au nord-ouest pour le range ou adapt. Les îles ouest et sud-ouest et les tanks nord et nord-est. Ouais. On est d'accord ? Ouais, c'est ça. Mais par contre, faut vraiment se coller à lui parce que avec le bump, on a moins de distance pour reculer. Ouais, c'est even, j'aurais tendance à dire. Ouais, comme on fait. Le fait en diagonale, on a plus de place. En vrai, c'est ça, faut être collé à Grino. Genre, c'est comme le bump juste avant, pour avant le dash. Moi je rentre dedans, vraiment je suis collé à lui quoi, c'est... Mmh. Enfin, voilà, on peut tenter ça. Bon. Tant que tout le monde le fait, c'est bon, c'est juste que faut... Est-ce que tout le monde a la bonne visu de où est-ce qu'il doit aller? Oui, c'est confirmé ça, parce que... Ouais, je l'ai. Hein. Attends, je vais cancel le... Quoi? Voilà. Je vous écoutais pas, hein, mais... on a changé les positionnements sur les symboles. Sur les symboles. Est-ce que t'as le guide écrit, il y a un schéma? Ouais, le 3, enfin, moi, 3 au nord et 4. Hein okay. Justement, maintenant on passe au truc. Non, la croix, elle est nord-est, justement. Nord et nord-est. La croix est nord-est. Non, mais c'est sur 4. Enfin, la croix sur 4, et si t'as carré, t'es au nord. Plus. Quoi? Ouais. Ouais. Est-ce que t'as le truc écrit? Ouais, c'est bon. Okay. D'accord. Verset 3 et 4 alors. Okay. Ouais, je prends un verset 3 et 4 après. L'avantage, c'est que le rouge ne bouge pas. Non, après, je prends un verset 3 et 4 et c'est aidé après, c'est pas gênant. On change rien. Ne regardez pas les signes. Ouais, c'est... On sort des signes. On a pris les habitudes qu'on va avoir cassées.
Et Yang sur les côtés est-ouest. Moi, c'est pas la proximité qui m'a tué, non. Ah, moi, mon jumeau n'était clairement pas au nord-est. Ben, je sais pas qui était au nord, mais la chaîne a dû être pétée. Enfin, moi qui étais au nord. J'ai dû me replacer. Est-ce que c'est de la mythique qui est juste qui manquait? Et donc, Grom, je t'en rends, t'étais à l'ouest. Non, mais je. Je pense. J'ai pas l'impression que ce soit franchement mieux. Bah, c'est juste que. En fait, il y a plus pour de. Pour reprendre place. Le pli là, mais. Regardez pas les signes, hein, surtout nous. Regardez pas les signes. Étaient du même côté. Bah, en fait, triangle, c'est est-ouest. Et. Grunch était sur la couleur. Mais. Pas sur le. Sur ouest. En fait, bah, en théorie, vous ne devriez jamais être sur une couleur avec ces strats. Si, on rentre sur rouge. Le truc en était rouge. Rouge et bleu restent sur leur couleur. Alors vous êtes entre les deux. Vous êtes entre les couleurs. Vous ne pouvez pas être sur une couleur. Vous respectez pas le schéma si vous êtes sur une couleur. Bah si, sur les. Ouais, à la limite. Ouais. C'est entre ouais, les couleurs. Quoi, mais... Dans l'esprit, de toute façon, on est dans le boss là. Donc. Oh, tiens, un truc que je comprends pas, c'est les 4 morts. Ils sont. Il y en a 3 qui sont morts d'Evans Flame ou Lich Chain. Moi, je suis juste mort d'Evans Flame qui m'a one shot à 500k. T'en as pris 2 alors. C'est que t'en as pris 2. Ouais, mais t'as potentiellement un mec qui mort à côté de toi et qui t'a pop. On fait plus le truc des couleurs? Non, c'est ce qu'on a dit juste avant. J'ai inversé pour que genre bleu soit encore bon avec rouge, mais par ça. Et du coup, je me mets où? Tu seras C ou D à la place. Du coup, il est plus C ou D, ou juste. Bah, ça varie, c'est ça. C'est pas les couleurs C ou D, mais. Les côtés. Ah, faut pas réfléchir comme ça, je pense. Ouais, il faut voir le schéma, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est pas de plan. Je vais bien toutes les couleurs. Cela, s'il va sur une couleur et que moi je suis. En fait, je suis baisé, quoi. Enfin, c'est. Selon ce que j'ai, je suis mort. Je pouvais pas reculer plus là. Pareil hein, genre ouais, mais c'est bizarre ça. Uber max distance. C'est con, on n'est pas assez proche au début, je pense. Je me suis vraiment rapproché au maximum. Enfin, ok. Extérieur. Aïe. C'était extérieur, ok. Non, là, c'est juste le Red White. Oui, c'est là où qui nous a tués. Mais oui, il y avait pas de pente. C'est pas mieux le truc des couleurs. Bah, c'était moins bon pour les. Pour les AOE qui après. En fait, c'est plus pas facile pour, visuellement, pour mais à cause de la proximité, quand tu te fais bump, y a des chances que les gens se stack et crèvent de la AOE, alors que c'est plus safe si on fait l'autre méthode. Mais après, ouais, le truc c'est qu'on s'est formé déjà à la couleur, après c'est est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut prendre. Le problème, en fait, il va y avoir une autre mécanique plus tard qui utilisera exactement la même chose et ça va être plus simple si on a les cardinaux. Bon, autant les trains, hein.
Il y a eu un truc bizarre, on a pris beaucoup de dégâts au cac. Ouais, c'est parce que j'étais pas stacké avec vous, j'ai pris les rayons. J'ai bougé trop tard. Je pensais que j'avais le symbole sur la tête, mais en fait non. J'ai cru que c'est moi qui avais tué Crêpe. Non, mais j'avais deux fois le symbole parce qu'il y avait un mort, c'est tout. Non, parce que juste j'ai dash au moment de l'animation, donc je pensais que j'étais parti trop tôt et que ça t'avait cleave. Ah bon, bah on peut en faire. Ouais. Pourquoi est-ce que tu prends ton taser sur la gauche? Pourquoi est-ce que tu le prends pas au nord? C'était pas... J'ai pas entendu en tout cas. C'est parce que c'est... pour que les DPS soient dans le taureau. Après, ils sont peut-être mis à l'ouest. Parce que... On est côté est, nous, au début. S'ils sont mis à l'est, parce que je l'ai toujours pris comme ça, mais enfin, c'est juste pour qu'ils aient le dos, en fait. Mais est-ce que ce serait pas mieux, du coup, de le prendre au nord, comme ça, les DPS sont au sud, et comme ça, ils n'ont pas bougé pour la phase juste après? C'est exactement la même chose. Enfin, ouais, c'est pareil. C'est un déplacement à moi, mais... On peut, mais... C'est du pinaillage, mais... Je voulais savoir s'il y avait une raison logique à ça, et si... La vidéo, il le pointe vers l'ouest, donc on suivait ça, je suppose. Dernier mais... pôle. Ouais, on va faire un dernier. L'important, c'est juste qu'il y ait le pack qui soit fait bien correctement. Ouais, encore une fois, ouais, mon truc est pas parti, encore une fois. Ouais. Faut que je me mette pas à pied dessus correctement. C'est ma faute. Il fait des trucs, le boss qui est sur. Qui est à côté du. Au fond, là. Ouais, bah oui. Il fait la haute feu. Les haute feu. Ouais. Je pense qu'on est stacké. Et je crois qu'il est pas ciblable, donc on peut pas feinter ça. Donc... Non, mais c'est juste que des fois je vois des trucs d'agro partir de derrière, donc pour ça. Ouais, mais on va faire un vrai dernier, ce genre. Okay. Pas envie d'ailleurs, c'est sûr. Moi qui me fait finir mon. Ma faut que ce soit l'erreur de quelqu'un d'autre. Non, mais genre, ça me gêne pas de faire une erreur. Genre, si j'avais mis un pied dans une AO, j'aurais été ok, c'est bon, c'est l'heure de se coucher, mais là. Voilà, c'est le ninja qui troll. Ah. Blab. Ok. Voilà, c'est plus de ta faute, merde. Ah, Bobo, il a vu l'heure, il a fait hop, c'est fini. C'était calculé depuis le début, à vous. Vous mourrez de quoi? Hop, des gars. Souvent, il y a un truc qui me tape, et ensuite, je perds des points de vie et je meurs. Ouais, bah en gros il est juste... C'est ça, c'est un sac, il faut trop loin et il prend la OE. En fait, j'ai des PTSD du taser, donc je mets max range.
Voilà, oui, Tether, là, c'est bon, je l'ai incorporé, donc j'ai le bon timing, il est en plein dans ma phase, donc je sais quand l'avoir, je traverse le boss, puis je reviens après. Non. Après, le truc aussi, c'est que là, il n'y a plus qu'un seul Tether, donc tu peux vraiment rentrer dedans depuis le boss, t'as pas de problème où tu vas prendre le Tether d'un autre, c'est plus simple, en fait, que celui de Tether. Parce que des fois, sur les premiers, ils voulaient pas, mais là, c'est bon. Ça veut aussi dire que nous, en TPS, techniquement, on peut vraiment être paqué au bord du centre, ça va pas t'empêcher de prendre le Tether, quoi. Enfin, on a une maison, elle est toute vide, je suis extrêmement... Ouais, c'est compliqué. Mais t'inquiète, on va la remplir. Vous avez pas eu le temps ou vous avez non, plus bah, ouais, jeudi, vendredi, moi j'ai pas eu le temps. Je vais pouvoir ouvrir le nightclub avec Bogo et Foco comme ça. Hein. Vous avez mis une barre de striptease. Ça c'est. Non, il y a vraiment rien pas. Enfin, il y a un robot réparateur, par contre. Quand même, on ne pas. Et puis. Il y a un mannequin d'entraînement. C'est beau. Minimaliste. Ah, moi, tant qu'il y a. Du coup, est-ce qu'on veut rester sur le fait rester P1, P4 et si on complète, continue Ultimate? Je pense, hein, ouais, en plus, choper les armes 605, c'est peut-être. C'est pas grand chose, mais. Ça peut peut-être jouer, hein. Ouais, c'est le genre de truc où on gagne 500 DPS total. Et... Bah, ouais, c'est surtout là-dessus, ça fera pas une grosse. Enfin, si, ça fait une différence, mais c'est surtout que là où les. C'est vraiment. Ça ira qu'en empirant les PS check, donc. Ouais. J'ai plus l'impression qu'on aurait tous l'arme 605 en faisant les Red Savage. En finissant. Ah oui, non, c'est l'idée, c'est pour ça que je disais, on continue à faire le. Oui, mais il faut pas de principe, plus principe qu'on va finir Ultimate sans toutes les armes qu'on peut, quoi. Ouais. Bah, déjà, même genre aller finir l'Ultimate, c'est quand même 20 minutes de fight avant le prochain patch, ça va être un peu compliqué, quoi. Je vais être honnête. Aller le plus loin possible, c'est déjà un bel objectif. Hein. Ouais, ouais. D'ailleurs, semaine prochaine, je pourrais pas raid. Je serai en déplacement pro. Je mettrai les dates dans le Discord. Ok. Mercredi, c'est pas un problème. On peut. Ok, faire... donc ouais, lundi dead quoi. Mais lundi et mercredi prochain. Et mercredi prochain, ok. Ouais. Et lundi encore d'après. En fait, c'est en gros, c'est une semaine. Je mettrai les dates, mais on va dire toute la semaine. En gros, ça fait mercredi. Enfin, le mercredi, lundi d'après. Sans compter mercredi prochain, ça fait qu'on nous on a une semaine de raid du coup. Hein, t'es pas là du tout. Ouais. Voilà, à la limite, en vrai, peut-être un. C'est pas aussi le moment de faire un peu une pause aussi, hein, une semaine pour ceux qui auront envie. Se trouver quelqu'un pour remplacer une semaine, à part si quelqu'un a un ami sous le coude. En fait, ça dépend ce qu'on fait mercredi. Si sur mercredi on n'arrive pas à finir P4, éventuellement on peut faire avec un pick-up sur le lundi prochain. Je sais pas si c'est une possibilité. Ouais, ouais, c'est le lundi prochain, par contre, vous. Ouais, peut-être quelqu'un qui aurait juste loupé. Tous les trucs, mais on verra. Écoute, on verra. Pour l'instant, mercredi, on va aller. On va se refaire Pandemonium, pour choper des armes. À nous redonner un book scolaire. Arrête, arrête de porter la poisse. D'ailleurs, là aussi, je me demandais si pour l'ultimate, ce serait pas mieux que je joue Bard au final. Je pense pas. Je suis pas sûr. Bah, pour l'instant, non, mais overall, en fait, c'est si personne fait d'erreur, ça fait plus de DPS. Même sans erreur, hein. C'est faut vraiment du full pumper hein, pour rentabiliser le Bard. Ouais, faut qu'on soit tous en bleu sur les trucs en équivalent P4. Ouais. En vrai, le truc, c'est que pour l'instant, déjà, en mêlée, on a beaucoup de moments où il n'y a pas d'uptime. Et dans ce cas, tu vas perdre... Ouais, non, mais pour l'instant, si tu veux, là, pour la première phase, ça change rien. Mais je verrai aussi pour les phases d'après. Non, mais... Moi, je veux bien que tu me pumpes en Savage. Pump moi. Pump me. Tu sais, moi, je peux jouer Bard, je peux jouer Machine, c'est pareil. Hein, c'est juste qu'en Savage, vu qu'on fait plein de conneries tout le temps... En vrai, ça devient vite pas rentable. Hein. Pour l'instant, pour la P1 qu'on est en train de travailler, je suis pas sûr que le Bard ce soit forcément une valeur ajoutée. Mais tu peux jouer si ça te fait plaisir, je pense.
Bah non, mais les deux bons, t'inquiète, je vois ça. Ah, bah, vraiment le truc, en termes de DPS, c'est... Est-ce que c'est une si grande différence que ça? Bah ça dépend de ce que vous sortez, bah, vous, ouais. En fait. En DPS pur, pour moi, oui, c'est une grosse différence. Ouais, t'as genre 10-15% de DPS en plus avec le RDPS, quoi. Non, bah en fait, ça, dès que vous faites une erreur en DPS, en fait, même dans votre cycle ou quoi, quand je vous barre, c'est con, mais ça descend très vite mon RDPS que je gagne. Mais je veux dire, tu vois, genre, imaginons que tu max, tu dois être aux alentours de 15-20% de DPS en plus quand les DPS ne font pas d'erreur, non? C'est pas un truc comme ça? Je sais pas, dis-toi que j'ai à peu près un 4 DPS en plus entre mon ADPS et mon RDPS en barde. Du coup, ça peut monter jusqu'à un K5 si plus vous pumpez, plus ça va monter. Ça va monter jusqu'à un K5 de quart. Au final, tant qu'on fait des erreurs, genre s'il y a que des petites erreurs de fait, ce sera kiff-kiff entre les deux. Et si vous faites des. S'il y a un mort ou des trucs comme ça, machiniste, reste tout de suite bien au-dessus. Bah, faut... Si on prend les stats là-dessus, bah, le meilleur bard il va être 92, le pire machiniste il va être 87. Donc, ouais, t'as 5% de différence entre les deux extrêmes. Ouais, bon, c'est. Bon, j'avoue, ça c'est sur la table hein, après, voilà. Du coup, je vais pas switch de suite. Hein. Comme tu sens. Mais... De toute façon, les deux sont guère pareils donc. Je pense que en vrai, tu perds à passer bard perso. Aujourd'hui, on n'aura pas de quoi rentabiliser le bard. Bon, en tout cas, pas tout de suite. Peut-être que la suite me fera dire que c'est plus cool le bard. Mais... Je pourrais aussi essayer de passer Dragoon, mais. Oula. Parce qu'en fait, les trucs, c'est que sur les. Pour un gain de DPS. Oh là. Non. Dragoon, il est un chouïa plus que samouraï. Enfin, non, ouais, ça sort les gros mots là. Et en tout cas, samouraï, je suis pas assez adapté pour faire un ultimate, donc. Bon, après, de toute façon, là, je crois qu'on avait 20%. Enfin, sur le meilleur qu'on a fait, on avait 20% de retard sur les deux boss. 10 sur chaque à peu près. Ah ouais? Ouais, non. J'avais genre 11 et 14 ou 11 et 10, un truc genre. Quoi. C'était quel try? Le plus long. Celui qui était à 2 minutes 18. Oi oi oi, c'est où ça? Dans CTRL F. 47. Alors. Ouais, c'est... 12 et 16. Juste avant le rage. On a eu des morts, on a eu une mort. Ah, ça fait la diff quand même. Hein. Ouais, ouais, et puis c'est pareil, y avait pas eu de potes aussi, si tu veux. Ou alors, je les connais pas. Je potais pas encore. Non. Donc... Et y avait aucune pote. Ah, moi elle est pas pratique la pote. Il faudrait que je regarde quand je peux la claquer. À l'open. Genre ouais, avant, mais... à l'open en fait, deux secondes avant de sortir. Bah, en fait, moi c'est qu'il me stun en fait, donc j'ai pas la fin. Je peux la full burst. Bah, en gros, ouais, je l'ai en full burst. Ouais, mais tu l'as pendant les. Ouais, non. Ouais. Les red buffs, quoi. Elle finit à la fin des red buffs. Et, normalement, là où t'as tout claqué déjà. Claque-le au début. Même si tu te fais stun et que t'as pas 100% d'uptime, tu perdras sur le fait de la claquer hors red buff. Ouais, bah, je perds sur les. Enfin, je la claque en. Deuxième OGCD. Ouais, deuxième OGCD. Ouais, non, troisième, mais. Mais. Ouais. Ouais, ouais, la pré-pool sinon. Il reste... Non, en pré-pool j'ai plus de place. Faudra voir, ouais. T'as quoi à faire pré-pool? Blackest Night, Taunt et. C'est la weapon. Ouais, je. C'est ce que ça trigger pas le GCD, le Taunt. Et. L'épée ensanglantée, je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que ça fait quelque chose avant l'aggro, Taunt? Non, mais c'est juste pour qu'ils viennent sur moi. Mais est-ce que ça te donne de l'aggro puisque... Non, mais y a pas besoin. Ça lance le combat, techniquement. Ouais, genre, ça devait donner un d'aggro, en fait.
Pourquoi... Ok, tu fais ça à la place de, le, de, la, de l'attaque de range, quoi. Pourquoi ouais. Que tu fais pas la Tomahawk, genre comme tout... Que ça trigger le GCD. Ah. Et le temps que le boss arrive, le GCD, ouais. Il est pas revenu. Tu fais Blood Weapon en pré-pool aussi. Non, t'as, ouais. T'as carrément le temps de le placer, ta pote. Hein. Ta pote, tu la places à deux. Hein, oui, bah, à deux, je fais Blackest Night, Tone. Bah, tu la places à trois, alors, t'as le temps. Oui, non, mais je la place... Ouais, j'ai pas besoin, hein, je la place déjà dedans. De toute façon, ça change rien. Je perds... Mais du coup, c'est pas Tone qui te donne l'aggro, c'est ton prochain GCD. Ça a rien, il vient sur moi, le boss. Oui, enfin, en gros, ouais. Ça lui donne l'aggro parce que c'est le seul à l'avoir à taper. Comme je dis, ça doit lui donner genre un d'aggro ou 0 points, tu vois. Genre, ouais, et puis tu dois avoir. C'est ce que je fais sur tous les boss. Hein. Est-ce que c'est le cas que ça lance le. Ça ne lance pas le combat quand tu taunt? Si. Ah, si, si, ah, ça d'accord. Lance. C'est, en gros, okay. Il provoque en dernier, il fait Blood Weapon, Blackest Night, taunt. Non, le taunt il est en deuxième. Le Blackest Night il est après. Le temps que le boss c'est pareil, quoi. Ouais, voilà. C'est comme ça que je fais tous les pulls sur PS. Bah, le truc, c'est que s'il y a 5 secondes de pote que t'as pas parce que tu stun, tu peux le placer avant Blackest Night. Oh, je peux, sur lui, je pourrais. Bon, après, oui, effectivement, vu que. De toute façon, je crois que mon. Oui, bah, non, parce que le combat il se finit avant 2 minutes, ouais, donc je. J'ai même pas mon. Ouais, je ferais même pas le deuxième. Ouais, je en pourrais... fait. Pour avoir...